Bonjour tout le monde, comment est-ce que ça va? Comment allez-vous, très cher chat? Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bienvenue sur ce cast. Ce soir, nous avons la team McFlurry contre la team Shinigami, c'est la division 9A, et je serai avec Alba Loulou. Alba, tu es là, mon ami. Salut tout le monde! Oh là là, le retour du duo légendaire! Ouh! Le duo Ah, go! légendaire! Oh là 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 là, frérot, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas cast ensemble! Eh oui, Oh c'est là trop là, longtemps, beaucoup trop JPP, longtemps. t'es trop occupé pour moi maintenant, t'as des responsabilités. Tu ne m'aimes plus, Ah! Alba! Tu me Mais regardes si! plus comme avant! T'es sûr? Si, je te promets, si! Tu Je te promets! promets? Tu es toujours ta casteuse préférée? Oh, ça balance les termes. Oh! Oh, la route. Oh, bon. Bon, en tout cas, on espère que vous allez bien, chat. Comme vous voyez, nous, on va très très bien. Ah bon, Moi, ça va, tranquille. Aujourd'hui, j'ai travaillé 5 heures. J'ai été payé comme si j'avais travaillé 7 heures. Merci le d'accord. déménagement. Stonks. Stonks Money. Vraiment Stonks Là Money là. pour le coup. Oui. Mais du coup, voilà. Alors, division 9A. Si je dis pas de bêtises, on est sur quoi? Du gold de plate, un truc comme ça là? Exactement, du gold de plate avec un petit peu de silver, des petits chouilles de silver, mais en général, ouais, c'est du gold de plate. Let's go. Oh là là, le petit gold de plate. Et oui, toujours un petit peu de niveau quand même, hein. On est division 9, on a déjà un petit peu de gold, un petit peu de plate. Bon, voilà, il y a du niveau cette année, il y a du niveau cette saison plutôt. C'est vrai que cette saison, on a quoi? Il y a 110 teams. Il y a Ouais, 110 un truc teams comme et ça, ouais. jusqu'à la division 6, c'est que du diamant plate. Ouais, ouais. Et on commence division 6, il y a du diamant plate là. Donc, ah ouais, c'est Enervax hein, cette saison. C'est très, très, très Enervax. Tant mieux, même. Alors, du qui est? Où Ça sont fait les plaisir. thèmes? Exactement. Bah ouais, c'est vrai que ça fait plaisir de Ça voir fait qu'il y a plaisir. de plus en plus de. Oula, excusez-moi, le ping a dû niquer les oreilles. Non, non, mais j'ai oublié de baisser le son de mon League of Legends et là je sais pas pourquoi. Après, ça fait 1 heure que je suis AFK sur l'application. Ça vient de me ping en mode eh, vous avez reçu un fragment de clé! Et je suis en mode bah non, t'es DR, t'es qui en fait? C'est qui? Ça n'a aucun Tu veux quoi sens. le client? Tu veux Il veut quoi le quoi le client client? là? C'est quoi tes fragments de clé là, Veleto, je pense? Toujours là, Rito Game, hein, toujours. Hein. Rito Gaming, toujours présent, évidemment. Ben oui, bien sûr. Hein. Ah, Hop! attention, attention, n'oublie pas, hein, on s'est fait taper sur les doigts à la saison dernière parce qu'on tapait un peu trop sur C'est Riot. Non, en vrai, vrai, j'avais oublié. Non. je prends beaucoup de plaisir à jouer à votre jeu Riot et à vos jeux d'ailleurs Oui, parce que je joue aussi à écoutez. Valorant. C'est qu'en vrai, j'ai fait une game de ouf aujourd'hui sur Valo! Oh là 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 là, 14 kills, frérot! Oh là là, Oh j'étais oui. à un moment, j'ai clutch Sarah, j'ai fait un triple kill, j'en pouvais plus. J'ai Ah marqué un gros shit, je suis dans le chat après! Ah oui, ça flex comme ça. Mais non, Rito Game, nous aimons vos jeux, ma foi, fort Évidemment. sympathiques, qui créent du contenu, de la compétition et du plaisir. Non, du plaisir, beaucoup de plaisir, beaucoup de Et fun dans vos jeux. une envie de collectionner inimaginable. Oui. Ah oui, envie de dépenser, hein, de rien que là déjà. Non mais Vous m'avez sorti un skin sur 7, bah j'ai été. Enfin, voilà quoi, mais qu'est-ce la que tu veux que je petite te dise? Ah mais moi c'est pareil, hein. J'ai offert un skin à une amie, je me suis acheté un skin, enfin Ah non, voilà mais. quoi, c'est-à-dire que... Et encore là je suis à 1205 RP, il me manque rien du tout pour m'acheter Evelynn, hein. Attention, Non, ça peut partir mais vite. c'est clair, mais t'as vu en plus la nouvelle boutique? Ouais, la Moi je fais nouvelle là, avec la boutique nouvelle est boutique, hein. trop stylée, Ah non, 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 non. j'adore. En vrai, non, non, le rework de la boutique, moi je le trouve trop bien. Le fait que maintenant tu puisses trouver les trucs par catégorie, genre tu vois, tu veux les tout ce qui est œuf TFT, bah tu cliques dessus. Tu veux les chromas, tu cliques dessus, ça t'affiche les C'est chromas. ça. Non, 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 c'est c'est trop bon. bien. Non, en vrai, c'est trop bien. Puis, sous forme de passe de combat, je trouve ça plutôt sympa avec de l'XP plutôt que d'avoir des jetons, machin, à les utiliser. Ouais, c'est vrai. Je trouve En que c'est vrai, pas mal, non, personnellement. moi je trouve que c'est pixel, hein. En vrai, j'avais vu ça, ils avaient teasé ça. C'était bah, l'année dernière. Genre, il y a un an, ils avaient teasé ça et moi j'attendais de le voir parce que c'était vraiment une dinguerie. L'ancien était bien, mais là, le fait que vraiment t'es ton shop d'event à part avec toutes les récompenses et tout, non, c'est pixel. C'est pixel Riot. On est fiers de vous. C'est clair. Fiers de vous. On est fiers. On est fiers. Gros respect, gros respect. Fiers de vous. Respect, respect, respect. Gros respect. Respect pour tous les game designers. Respect, respect. Exactement, gros respect. Non, mais en plus, ils ont allié le pass gratuit et le pass payant. Donc, toutes les personnes qui, même, n'ont pas forcément le pass, peuvent complètement utiliser cette.
cette fonctionnalité pour terminer quoi, jusqu'au bout. Donc c'est cool, c'est comme le TFT en fait. Ils ont fait un peu la même chose. C'est un peu comme le TFT, c'est vachement cool. Donc moi j'aime beaucoup. Hein, c'est... Alors juste, la seule critique que j'aurais, c'est que je trouve ça trop petit. C'est-à-dire que entre la barre qui te fait Event Shop Featured et la grosse barre en dessous du Pass Track, j'ai l'impression, tu vois, qu'il n'y a pas assez de place pour ce qui est au milieu, tu vois. Justement pour les chromas et tout. Genre tu vois une ligne et c'est tout, tu veux voir la ligne d'en dessous, t'es obligé d'enlever la ligne que t'avais précédemment. C'est ma seule critique, mais sinon c'est très très bien. Ouais, c'est vraiment si on veut être tatillon. Si on veut être tatillon, peut-être laisser plus de place pour voir ce qu'il y a au milieu. Mais sinon, non. Après, vous allez me dire, oui, t'as qu'à agrandir ton client. J'ai mon client dans la taille maximale. Donc, c'est pas. Ouais. Avant, je l'avais plus petit. Mais j'ai essayé de mettre. Du coup, je l'ai en 1600x900. Et du coup, je l'ai changé en 1600x900. Et depuis, je peux plus m'en passer en fait. Carrément. Bah ouais, mais du coup tu vois tout mieux en fait. Genre tu vois mieux les artworks, tu vois mieux les chromas, tu vois mieux les personnages et tout. Non, moi je préfère vachement comme ça. C'est vrai. Non, franchement, écoute, moi je suis de base, je suis en plus petite taille, je suis en 1024x576 et rien que de passer déjà à 1280x720 déjà, je trouve déjà ça plutôt un peu mieux. Et ouais, mais attends, attends, je vais juste de tester ta fonctionnalité. 1600, ouais. Je ne reconnais plus mon launcher, je ne reconnais plus mon écran. Ah oui, mais le launcher change beaucoup. Hein, au début, ça m'a choqué, mais maintenant, je suis tellement habitué que le mettre plus petit, je ne pourrais pas. Genre, vraiment, je ne pourrais pas. Ah oui, ça fait trop de condensé en une seule page, c'est vrai. Après, ça dépend aussi de ton écran. Tu vois, si t'as un petit écran, c'est vrai que c'est pratique de pouvoir le mettre en 1024, tu vois. Mais moi, pour moi, 1024, c'est patte de mouche. Genre, là, je viens de le mettre en 1024, j'ai envie de me crever les yeux. Voilà, pitié, rendez-moi mon 1600, en fait. Non, c'est clair, je suis d'accord. C'est bien qu'ils aient pensé à toutes les tailles d'écran, tu vois, t'as un petit écran, tu t'adaptes, tu vas pas mettre ton launcher en 1600 parce que le machin il fera plus que la taille de ton écran, quoi. Exactement, et POV, j'ai appris ça aujourd'hui avec mon PC portable, le launcher était 4 fois trop gros, hein. Donc obligé de le baisser parce que sinon, bon, voilà quoi. Hop là, ils nous ont donné le lien de spec, ça va bientôt commencer les drafts. Dites donc. Oh, d'ailleurs, c'est le moment de l'anecdote. C'est le moment de l'anecdote un peu dégueulasse. Oh là. Ouais, non mais. J'ai peur. âme sensible, couper le son parce que c'est. Même moi, ça me dégoûte un peu. Hop là. En gros, ça faisait un moment qu'on avait des vers au plafond. Genre qu'il y avait des larves en fait qui se baladaient sur le plafond et en fait, c'était parce qu'on avait eu 3-4 mythes. Qui avait réussi à rentrer il y a genre 2-3 semaines, et en fait elle s'était mise à pondre, et du coup mon copain il les tuait, tu vois, et sauf qu'au bout d'un moment on s'est dit non mais c'est pas possible, enfin on en tue 3-4 par jour, alors qu'on a tué toutes les mythes, il y a un nid, tu vois, il y a un nid quelque part. Et du coup, tout à l'heure, moi j'étais en train de travailler en télétravail, et mon copain il était en train de taffer. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est amusé à fouiner en fait, dans le coin d'où ça semblait venir. Et vraiment, on a jeté la moitié des trucs qui étaient sur notre armoire, en fait. Genre, à un moment, il m'a dit « Ah bah chérie, je vais devoir te racheter des livres. » Parce que c'était... Mais ils avaient vraiment tout infesté. C'est-à-dire qu'on a acheté... J'ai acheté des produits de beauté parce qu'ils étaient dans un petit... Je les avais mis dans un petit machin et c'était infesté. On a acheté des bouquins, on a acheté des trucs. Il y a même un moment où il m'a dit qu'il allait jeter un truc. Heureusement que je lui ai dit de... Non, ça, tu le mets à la... Tu le javelises et tu enlèves toutes les bestioles. Parce que c'était pas... Parce qu'en fait, il y avait des papiers importants à moi dedans, en fait. C'est-à-dire que dedans, il y avait mon DUT et mon bac. Tu vois, j'allais peut-être pas jeter à la poubelle mon DUT et mon bac. Non, effectivement. Là, les mythes, elles ont fait une POV Élise, là, c'est pas possible. Ah oui, non, mais les mythes, là, elles sont mises en mode... Enfin, jeu de stratégie, on conquiert la zone. Je te jure, c'était une dinguerie. Et du coup, on espère s'en être débarrassé. Mais... Non, mais c'est terrible, ça aussi. Hein. Terrible. Tu vois, et au début on croyait que c'était des papillons de nuit quand ils sont arrivés. On s'est dit ouais vas-y, c'est des papillons de nuit, on va les retrouver morts le lendemain. Bah manque de bol, c'était des mythes, tu vois. Et on espère que c'est réglé, hein, parce que ça fait chier, tu vois. Ça fait chier. Attends, est-ce que la draft va pas commencer, parce que là on voit les équipes qui sont en train. Et bonsoir d'ailleurs. Bonsoir aux gens. Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir à tous, hein, je vois. Attends, excuse-moi, je vais relire ton pseudo. Feribankai, bonsoir à toi. Alors, tandis que la draft va démarrer sous vos yeux ébahis. C'est une. Hop, c'est une draft, lol. Et normalement, on va être tipar. Et voilà, on est tipar. Oh là là, c'est parti. Exactement, incroyable. On va commencer par le ban de SNG. Oh, bah oui. Alors, effectivement, hein, si ça banne Mordekaiser, c'est un très bon ban. Oh Puisque là, la c'est un top main lane Mordekaiser. est un main Mordekaiser. Non, le chatonx, pas lui. Ah bah, alors là, tu vois Yuumi? Eh bah oui, eh bah oui. Eh oui, eh bah oui, on enlève la Yuumi. J'aime beaucoup le petit chaton. Bah oui, mais non. Interdiction de jouer. C'est interdit, pas le droit. Le chaton interdit. Chaton interdit, chaton à la nuit. Interdit. Bodo. Alors pour le moment, on banne tous les mains. Hein. Pour le moment, on focus tout le monde, on banne tous les mains. On banne le main top de chaque side, on banne le main mid de McFlurry. On banne même le main support de chez SNG. Donc pour le moment, ça banne un peu partout. Ouais. Du Azir aussi, c'est pareil. Hein, on banne ouais, vraiment tous les mains. Là, on focus bien les mains, ça c'est sûr. En tout cas, c'est bien, ils sont synchro, ça ban un main top, un main support, un main mid. Il n'y en a pas un qui s'est amusé à ban un ADC. Deuxièmement, pour le moment, la DC est tranquillou. Oh là là, oh Oh, le sel. ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Écoute-moi bien. Joueur de 7 en top. Tes ancêtres vont être fiers. Écoute-moi bien. En contre-chaîne. Oh, ça va être compliqué. Ça risque d'être un peu compliqué. Après, attention, suivant le niveau du joueur, suivant encore une fois plein d'autres choses et plein d'autres facteurs, ça franchement peut avoir un bon combat top, je pense. Ouais, en vrai, C'est sûr. la bagarre va être très très effective en top lane. Oui, clairement, avec un pic Viego, plutôt Oui. sympa. Écoute, en jungle, ça marche plutôt bien en ce moment. Vigo Gaming. Vidéo gaming. Le Viego vidéo gaming. C'est ça. Non, non, mais là pour le moment, Viego, ça revient de plus en plus à la mode. En jungle. Ouais, il semblerait, hein, il semblerait. Ouh. Tivoli bien. Un counter avec un nounours. OMG. L'épée par le nounours. Toujours. C'est ça, counter l'épée par le nounours. On veut te taper avec une épée, tu mets un ours en plus devant la personne, ça va l'attendrir. Elle va pas oser te frapper. Exactement, Elle va pas oser exactement. Ah là t'appuyer. là, elle a tout compris. Mais évidemment, enfin les strats astronomiques, évidemment, on les connaît tous. Oui, de toute façon, oui. Mais en tout cas, avec Volibear, on pourrait avoir du beau dive, ça c'est sûr. Avec l'ulti. Et on choisit le scaling en mid lane. Du coup, avec Viktor. Le perso qui est apprécié. Sans l'être de la mid lane. Heureusement qu'il n'est pas joué top, puisque tout le monde déteste les range top, hein? Évidemment, non, non mais l'autre jour j'étais avec un co-caster qui osait me Ouais, soutenir que je sais pas. Vayne top c'était bien. J'étais Je là en sais mode, pas. mais Alors, on ne enfin, citera pas de nom. on ne citera pas le nom évidemment pour éviter qu'il se fasse lapider sur le Discord. Je crois que c'est déjà trop tard, mais bon. Enfin, c'est trop tard effectivement. Soit. Mais voilà, il Oh osait là me là. dire que Vayne c'était mieux top que bot, gna gna, qu'elle devrait être jouée top, gna gna gna. J'étais là en mode, mais enfin, frérot, C'est tu es ravagé ça. là, tu as bu de la javel, Mais c'est pas possible. ça et en plus, non mais c'est legit top. Elle a déjà legit 20. Non mais non 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 Non, non non non, non, non non, non. monsieur, arrête, arrête, Faut arrête. arrêter. Nous ne pouvons soutenir de tels propos. Regarde si tu passes par là, je t'aime. Évidemment, frérot. Alors Syndra, je sais pas si t'as vu un petit peu Syndra avec le rework. Ah, le rework et tout, c'est une dinguerie. J'ai Ah fait ouais, je quelques sais games pas. avec. Ah, si, si, si. J'ai fait quelques games avec une Syndra ADC, le machin est génial maintenant. En tout Ok. cas, à jouer à ADC, c'est possible. Hein. Donc, on a peut-être une Syndra APC, attention. Hein. D'accord. Ok. Parce que j'avais vu un petit peu la refonte et tout, j'avais essayé de comprendre un peu les sorts. Je l'avais joué un petit peu, mais j'avais pas trouvé ça transcendant par rapport à pas mal de rework ou par exemple le rework de Mundo que j'avais trouvé plutôt bien. Mais Syndra, pour le coup, j'ai pas trop d'avis, tu vois. J'ai pas beaucoup de gens qui m'en parlent. Donc je sais pas.
Non, en Tu vois, vrai, c'est... j'ai vu. En fait, le fait. Alors, attends. En fait, le fait, oui, c'est ça. Faut apprendre à parler. Le Tout fait à fait, qu'elle oui. ait. Le fait qu'elle ait maintenant, tu vois, un espèce de passif à la Dark Harvest, ça rend le perso vraiment beaucoup plus fort et ça scale vraiment mieux. Genre, Ouais. c'est très différent dans la manière de jouer parce que j'ai une. Justement, la personne avec qui j'ai joué, c'est une amie qui jouait régulièrement Syndra et elle m'a dit que le perso avait quand même pas mal changé dans les mécaniques. Enfin, c'est plus la même manière de gérer tes spells, mais ça reste quand même très très similaire. Mais du coup, c'est devenu super fort de ce qu'elle m'a dit et on s'est vraiment bien amusé. Après, on jouait sur Akka Syndra, donc bon, autant dire qu'il y avait un petit peu de déshonneur Oh. là-dedans. Bah, on Oh avait les oui. skins. Hein. Je lui ai payé le skin de Syndra. Du coup, moi, je me suis payé après le skin de Soraka. On était obligé de faire une Syndra sur Akka bot, évidemment. À un moment donné, quand tu joues Yumi, bon après, Soraka, c'est une banalité. C'est ça, voilà. Quand ta troisième maîtrise, c'est Yumi Soraka, c'est. Voilà, quoi, c'est. Du Voilà, pipi-cher, c'est du quoi. pipi d'Yumi, si je puis dire. Ouais, c'est ça. Du coup, bah, ce sera pas une Syndra ADC, ce Non, sera un non, non, Ezreal ce sera un ADC. Ezreal. Exactement. Parce qu'on dit vague, mais il y a quand même une draft, Non. hein. Exactement. Attends, restons sérieux quand même. Allez, Malice, Restons on va sérieux, sérieux, monsieur. non, non, mais effectivement, en plus, Kai'Sa Thresh, pour le coup, pour avoir été un ancien main Kai'Sa, c'est une très bonne botlane, je trouve. Je trouve que ça fusionne très très bien entre les deux. Donc, moi j'aime bien. J'aime bien cette botlane. Ah ouais, non, moi aussi, j'aime beaucoup, beaucoup cette botlane. À voir ce qu'ils vont prendre. Oh, la petite Ezreal Zyra. Ok. Ok pour counter le Thresh, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Après, faut voir si le Thresh va réussir à bien prédire les potentiels E ou les potentiels flash de Ezreal, parce que bah, Ezreal, c'est pas si facile que ça à attraper. Ouais. Ça c'est sûr, mais aussi parce que Syndra peut en fait entraver le grab de Thresh avec ses plantes. Si on parle dans ce genre de mécanique. Zyra, du coup. Ouais, Zyra, oui. Pas Syndra. J'ai T'as dit dit quoi? Syndra. Ok, J'étais là en mode. nickel. Alors attends, Nickel. Syndra, des plantes, laisse-moi réfléchir 2 secondes. C'est pas le bon perso. Ouais, fais pop des trucs maintenant, c'est le rework. Oh là là, le rework est trop fort en fait. Maintenant, elle a aussi des plantes. Enfin, wow, trop Bah oui, bien pour quoi. le Il y aura coup. les prédits. Oui, évidemment, on va faire des prédictions. Bien évidemment. Ah, merci beaucoup pour le follow, Color Knight. Merci beaucoup à toi, c'est très gentil de ta part. Oui, merci. C'est gentil de nous follow. Merci beaucoup pour le follow, merci pour le soutien. Oui, y a pas de souci, on fera les prédits, mais on les fait pendant les 3 minutes en fait. Quand les 3 minutes du spectateur commencent, on le fait maintenant. On le fait à ce moment-là parce que c'est le moment où on discute, où on échange avec vous, du coup c'est mieux de le faire pendant ce temps-là. Voilà. Ouais, c'est plus mieux d'abord. C'est plus mieux d'abord, voilà. Exactement. Oh là là. Alors, attends, je crois que tous les joueurs sont là. Hop. Clac. Oh là là. Et alors attention. Alors peut-être. Alors peut-être le lancement de la draft sous vos yeux ébahis. Oh là là, c'est le Incroyable. lancement de la draft. Alors du coup, tic 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 tic. Où sont les petits cocos? Ok, les premiers sont à gauche. Du coup, normalement. Là, j'ai hint. J'ai hint, pardon. Aïe 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 aïe. Le hint. N'empêche, tu remarqueras au nom d'équipe qu'on a quand même des glaces contre des dieux de la mort. C'est... Je Ouais. sais pas qui gagne, mais moi je parierais sur les Ah dieux de la mort plutôt que les glaces. bon? Ah ouais. Bon, je sais pas, moi, gérant les glaces envahiront le monde. C'est sûr. Et... Ah bah non, elle commence à fondre, de toute façon. Oh non. Oh Oh non, pas ça. non. Oh là là, le fameux réchauffement climatique incident. Ouais, le fameux qui fait. Mais si, 2 secondes. Oh là là, mais ça pleure pour les prédictions. Mais oh là là. Tiens, là-bas, il n'y a pas de Là 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 prédiction. là. Comment fait la prédiction? Qui va gagner? On fait plaisir à Théo. Voilà. À Théo, pardon. Très haut, ah oui, Voilà. d'accord. Aïe, aïe, effectivement. Il faut faire plaisir à la commu. Voilà, c'est littéralement le nom du truc. Du coup, alors, on a d'un côté donc les Shinigami qui sont Blueside et nous Ouais. avons les McFlurry qui sont Redside. Redside. Exactement, madame. Voilà, on est bien là. Là, comme ça, vous êtes contents, vous pouvez pas dire, ah, yo, je sais pas qui est Blueside, je sais pas qui est Redside. C'est dans la prédiction.
C'est genre, il dit, wow, Théoromi, il est en train de... Théoromi, il est en train de tuer le dragon, arrêtez-le, arrêtez-le, il est en train de tuer le dragon, il le gave de carottes. Il est en train de dépenser Oh. tous ses points. Voilà, Et tu tout l'as, t'as prédit. utile. Oh là Il ne là, c'est prédit terrible. point. Oh si, il y a une prédiction. Attends, 109 000 watt coins, mon dieu. Ah! Non Non mais mais très haut, enfin tu... Là, t'as Je suis tryhard le... fou! Tu as Non mais qu'est-ce tryhard le live, que c'est tu pas fais? possible. Très haut nom a voté avec 109 000 watt coins. Non mais enfin, monsieur, tu as tryhard le live comme pas permis là, c'est-à-dire que... Bon bah bonjour, bonjour Lycurius, excuse-moi, comme j'étais en train de faire la prédit, je ne t'ai pas vu. Bonsoir Lycurius, comment vas-tu? Bonsoir. Oh là là. Ça va, ça. Mon co-caster de la dernière fois, c'était trop mignon. En vrai, j'ai trouvé ça trop mignon quand tu m'as envoyé un MP en mode là, je suis disponible ce soir si tu veux. C'était Bah trop cute. oui, C'était trop parce que cute. j'ai... Bah oui. Aïe. Ah là là, tout le monde m'aime bien. Eh oui. Le Et vin moi ici, il y en a plus. beaucoup. Dommage qu'il n'y ait pas une Janna, j'aurais fait une blague. Oh, je vois pas la blague, mais... J'ai peur. Voilà. Janna, il y a beaucoup de vent, les tornades, tout ça, tout ça. Oh là là. On est sur de la qualité ce soir. Évidemment, évidemment. Ah bah, j'ai sorti mes meilleures blagues, hein. Là, en smoking devant League of Legends. Sinon, quand je fais un Là entretien là, d'embauche en caleçon, à moitié à non voile plat, pas lavé depuis 10 jours. Bah, c'est quoi votre passion dans la vie? Bah, vous le voyez pas, je joue à LoL. Ça ne se sent Non, pas, je suis joueuse League of Legends. non, je le vois pas, je le sens. Là, c'est fort. Au secours. Ah, du coup, je me rends compte, on n'a même pas fait la présentation des équipes. Là, vas-y, amuse-toi, fais-nous la présentation des Ok, équipes allez hop, pendant ces hop. 3 minutes. Je te laisse Incroyable. nous Allez, présenter tout hop. ça. Laisse-moi, hop. Zou. Donc, alors, Bonjour. on va commencer par l'équipe des McFlurry. Donc, tout d'abord, avec la top lane. Donc, on a vu dans les bans avec un ban mort de Kaiser, puisque c'est son main top avec plus de 300 games. Hein. Un bon win rate dessus, hein, quasiment 60%. On est quand même sur des trucs assez sympatoches. On a du Garen, on a du Volley, on a du Jax. Donc, c'est vrai que voilà, on a des mains assez agressifs, assez, même, je dirais même, très méta en ce moment. Aussi avec 7. Excusez-moi, hop là. Et donc, Wisset qui est quand même assez fort en ce moment, avec Mordo Kaiser et puis surtout Jax, que je trouve aussi très fort. Voilà, c'est personnel, mais je trouve assez fort. Ensuite, en jungle, on a donc Monsieur MCFCN, FNC, oh, j'ai du mal, FNC Thomas, qui lui, du coup, est plus, du coup, main Viego Maître Yi. Donc on a du Viego, du Maître Yi, du Ekko, du Graves. Donc c'est pareil, c'est axé assez farming, assez plus mid lane, late game, mais on apprécie quand même ces champions dans nos drafts. Pour la mid lane, on a donc Monsieur Joki, donc avec un main Vel'Koz qui a été ban avec plus de 416 games, quasiment 60% de win rate aussi. Je vois de la Cassio, du Ahri, Yasuo Gigachad. Évidemment. De la Syndra et du Viktor aussi. Donc, assez varié pour le coup entre melee et range, ça fait un beau panel de champions pour les mains, donc c'est assez sympa. Ensuite, en ADC, Monsieur Berserker Healer, donc en main Kai'Sa Miss Fortune, donc c'est plus Miss Fortune que Kai'Sa main méta en ce moment, mais sinon les deux restent très forts. Ezreal de même. Et puis on a parfois de la Jinx ou de la Caitlyn, donc très carré, très nickel. Et pour finir, Monsieur le support, donc on a du Amumu, Amumu. On a parfois du pardon. Hop là, on a du Amumu, on a parfois du Rammus aussi, mais beaucoup d'Amumu en tout cas en support. Et on voit que du coup bah, aujourd'hui il a pris une Zyra qui est pas trop référencée dans son tableau des scores, mais à voir en tout cas au niveau de la maîtrise.
Voilà, Oui, pour du ce coup, team. on voit qu'il passe de quelqu'un de déshonorant, méta-slave, à quelqu'un d'assez honorant. Il récupère son honneur. Exactement, il récupère son honneur, donc c'est... Bon, c'est plutôt bien, en tout cas, dans son cas. Ensuite, du coup, on va passer sur le peu de temps qui me reste, du coup. Il te reste 3 secondes, 3, 2, 1, boum, ça a explosé. Yes, il hop, fini. Fini. C'est fini, non, c'est mais fini. L'équipe Shinigami, sinon, en top lane, du coup, c'est plus du Darius avec du Ornn, du Kled. Donc pareil, très agressif, très méta. On a de la jungle avec Warwick, Viego, Voli. Pour le coup, Voli. Donc ça tombe bien. On a de la capacité, on a de la maîtrise. En mid lane, donc on a du Azir qui a été ban. Avec de la Cassio aussi, de le blanc. Et de la Akali. Quelque peu d'Akali. Assez sympa, assez méta. En ADC, du coup, on a du... hop. On a du Kai'Sa avec MF aussi, et Caitlyn. Et en support, on a, comme tu voulais qu'il se passe, de la Janna avec de la Sona. Voilà, voilà. Écoute, let's go. Alors, on a dans le chat quelqu'un qui nous demande, savez-vous si cette spirituelle sera au même prix que Yi spirituelle en jetons de mondial, car rien vaut 1300 RP, et l'autre 1820. En fait, il n'y a pas de prestige. C'est-à-dire que le skin de Master Yi, c'est le skin prestige. Du coup, comme il n'y a pas de prestige à 7, il ne sera pas disponible dans le shop du mondial. Voilà, pour Exactement. Répondre à ta question. Hop. Et puis pour à ta question aussi, le skin de 7 du coup est à 1820 et le skin de Maître Yi, donc fleur spirituelle, sera lui, par contre de base, le base sans prestige, sera à 1350 RP. Ouais. Voilà. Enfin, et t'as 1350 RP d'ailleurs. Alors je suis à 1 minute 2, où en es-tu? Je vais avancer au max, je suis à 1 minute 6, 7, 8. Ok, pixel, on est bon. Ok, nickel, impeccable. Nickel, nickel. Alors je vais réafficher le chat évidemment. Pouf, petit chat, venez ici. Pouf, on retourne sur la game, on est pixel. Mais oui, en fait, le skin de Yi, c'est un skin prestige qu'il y a dans l'event du shop. Mais en fait, Seth, il reçoit pas de skin prestige. Je suis allé vérifier justement pendant que Alba il était. Quand j'ai vu ta question et qu'Alba était en train de. Oula, attends, le jeu est giga fort. Excusez-moi, je vais baisser un peu fort. C'est turbo fort, voilà, je baisse après. Des avis sur les compos. Alors, vas-y, donne-moi ton avis, très cher Alba. Personnellement, je serais plus là pour la compo de SNG parce qu'ils ont cette top. Non, je rigole. Mais parce que honnêtement, la compo elle me paraît un poil plus forte au niveau du scaling en fin de game. Victor, tout simplement, Victor. Seth, ça dépend comment il le joue, mais c'est quand même vachement fort. Kai'Sa, bon, sur le scaling, bon, il n'y a pas trop à chipoter. Je veux dire, Kai'Sa, c'est vachement late game. Et puis Volibear, malgré tout, ça fait un sacré taf au niveau des dives, au niveau des drakes. Par rapport à la compo de McFlurry, qui, bon, je sais pas. Elle me tente moins. Elle est quand même très sympa, en tout cas. Mais elle me tente peut-être moins que la compo des Shinigami. Et toi, quand même dis-moi. Beaucoup de scaling hein, dans la compo des McFlurry. Maintenant qu'ils ont changé Syndra, c'est un perso avec beaucoup plus de scaling. T'as quand même un Shen, c'est ultra tanky, c'est ultra dur à tomber en late game. T'as quand même un Viego, c'est late game, ça fait sacrément mal. Et t'as un Ezreal, une Syndra, t'as un Ezreal et une Zyra. Hein. C'est pas négligeable. Non, en vrai, moi, je partirais plus sur... Je partirais plus sur les... Enfin, sur les McFlurry. Sur les McFlurry, oui, pardon. Je me suis perdu pendant deux secondes. T'inquiète pas, tout va bien. Oui, après, les deux compos sont très bien, attention. Mais voilà, j'ai une petite préférence pour la compo Shinigami. Bah, moi, on verra ce que ça donne. Moi, je dis les glaces gagneront ce soir. Dis les dieux de la mort, voilà. Et du coup, on a Soufolé qui nous dit merci de votre réponse. Je suis désespéré, par contre, j'ai pris le pass pour 7. Bah écoute, au moins, t'auras un joli chroma. Que puis-je te dire de plus? Non, écoute, mais en vrai, un pass, c'est toujours intéressant. C'est clair, déjà, c'est toujours intéressant. Et je vais te dire un truc, écoute-moi bien. Petit homme que tu es. Femme. Ou petite femme, je ne sais pas. Voilà. Exactement. Petit être de lumière. Exactement. Prends ta carte et achète cette. Qu'est-ce que je te dis? Il y a un chroma, il est joli. Achète, donne achète de l'argent. Achète, ma merde. Pour ceux qui ont la ref, évidemment. Et ben écoute, Camille, des bisous à toi hein, et j'espère que ta soirée se passe super bien à ton nouveau travail. Ouais. Voilà. Oula, le grave attention sur le Ezreal.
Oh, le E qui ne touchera pas. Attention, le grab de la Syndra va toucher. Les dégâts sur le trèche sont quand même très grands. Et c'est le first blood qui est récupéré par la Zyra. Oh. On a le Volibear qui se met à join le fight. Est-ce qu'on continue côté McFlurry? Eh bien non. Mais en tout cas, très joli first blood récupéré. Le trèche qui s'est un peu trop avancé. Attention, le gank à la top lane. On continue, mais le set recule sous sa tour. Pas plus de sang que ça. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, pour le coup, c'est dommage. En bot lane, c'est un poil grid. Et puis, il y a eu, en tout cas, une bonne counter-attaque de Ezreal Zyra, pardon. Donc, c'est une bonne chose, en tout cas, pour McFlurry. Écoute, avantage à toute ton équipe pour le moment. Bah oui, voilà, ça a été sûr. Écoute, hein, en vrai, on verra bien pour la suite. Hein, Une game, évidemment, ça se renverse. Donc, on verra bien par la suite. Mais c'est vrai que c'était quand même un joli first blood. Hein. Le trèche s'est un peu trop avancé avec son E loupé. Oula, attention, par contre, le gank à la top lane. Les dégâts sont quand même assez grands à côté du set. On prend le Z, on flash out pour le chêne. Le Viego qui arrivera à tomber. J'allais dire le Viego qui tente tout ce qu'il peut pour sauver son mate. Mais il réussira à le sauver. C'est dommage. C'est dommage. C'est un peu dommage. Ouais. Ouais, c'est dommage, il y a eu un petit flash claqué du côté du chêne. Mais pour le coup, c'est vrai qu'il y a eu un beau gank, Viego était là au bon moment, il a su faire ce qu'il faut. Rien trop à dire, franchement l'action était propre. Ouais, voilà. L'action était propre, et en tout cas on voit que le Volibear réagit très très bien. Son top laner se fait gank et se fait tuer top lane, donc on sait que le jungler ennemi est top, et ben on va faire le dragon. Et on va jouer au jeu de l'âme, toi et moi, et avec le chat, évidemment, je vais vous mettre le sondage. Là, on a eu un Drake devant, on va avoir un Drake des océans. À votre avis, entre Hextech, Mountain et Infernal, lequel c'est? Je vais vous lancer le sondage, hop. Oui, et le sondage, très important. Hop là. Et toi, du coup, tu dis quoi? Non, attends, tu sais quoi? On va attendre la fin du sondage pour pas influencer les gens. Ouais, on va attendre la fin du sondage. Voilà. Alors, on a Hextech... Mountain... Infernal et Mountain. Évidemment, on vous les écrit en anglais parce que nous savons que vous êtes des gens très intelligents. Oui, et voilà. Nous sommes bilingues. Voilà. Si on est des gigachats de LOL, d'accord? C'est ça, évidemment. ici, ça mange des cartes graphiques et ça ne se touche pas pendant 6 mois. D'ailleurs, il y a une mouche qui vient de tomber par terre tellement je pue. c'est dur. Non, mais en tout cas, au niveau des creeps pour le moment, c'est très 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 serré. En top lane, on a deux creeps, entre 2 et 3 creeps d'écart. En bot lane, on est à 4. En mid lane, on est à 9, 8. Et en jungle, on est à 1 quoi. Donc c'est vrai que c'est très 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 serré. On le voit un peu moins au niveau des goals, forcément. Ah, il y a le first blood du côté de McFlurry, donc forcément, on a pris un peu plus de gold, mais pour le moment, c'est assez pixel. C'est sûr. Hein. Surtout que faut quand même... généralement, on est content quand c'est un support qui a le first blood, mais faut faire attention à cette Zyra. C'est quand même un perso qui scale très fort et qui peut coller des sacrées patates. Et on voit qu'on a eu une rotation. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Non, un switch. Yep. Apparemment, entre ça peut jouer Herald. Ouais. Alors c'est vrai que c'est vraiment bien joué parce que on arrive à faire du surnombre directement. Ouais, le Volibear qui se fait catch, il est obligé de flash out le Viego qui ulti, le Z du Volibear pour le protéger, il part sous tourelle et ça suffira pour le sauver. Bah quand même il claque son flash, c'est surtout si proche d'un Herald, c'est pas gagné hein. C'est pas négligeable, hein. Non effectivement. Et non. Oh mais c'est quoi ces dégâts de chaîne sur Kai'Sa? Le frérot, ouais, il a juste des cendres de Bami. Mais mon dieu! Poigne. Poigne. Ouais, la poigne, bah écoute, GG la poigne. GG la poigne. Il a une sacrée poigne. Excuse-moi, j'arrête pas de t'écouper, vas-y. Non, c'est pas grave. Pour des blagues comme ça, j'accepte. C'est autorisé. Je dis oui. Mais je trouve ça plutôt intéressant sur ce gameplay, sur cette action-là, parce qu'ils ont réussi à créer un surnombre justement en faisant un switch entre la bot lane et la top lane pour jouer un Herald pour le coup. Donc on joue beaucoup objectif et ça c'est vachement intéressant. Je pense que c'est une bonne stratégie en tout cas qui peut être exécutée à plus haut niveau. Voilà, je trouve que c'est vraiment bien plutôt que de laisser son jungle avec son top laner et que du coup. Le mid ennemi décale, le top décale, et puis le jungle aussi, ça fait 3v2 finalement, on lose le fight, alors que là, bah, déjà, c'était plus du 3v3, donc ouais, je trouve ça finement joué,
Voilà, pour te dire. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne stratégie. Hein. On décale, on prend l'Herald, et puis après, bah, comme on voit, chacun retourne à sa lane d'origine. Et bah, du coup, le Thresh a été forcé, entre guillemets, de suivre ses ennemis, parce que bah, au bout d'un moment, il faut bien. Hein. Quand le support ennemi décale, il faut tenter de le suivre dans la limite du raisonnable. Ah, et bah, du coup, on a quelqu'un qui... On a eu juste deux votes pour l'âme. On a du coup une personne qui pense Extek et une autre qui pense Infernal. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, moi je pense Infernal, voilà. J'avais déjà mon idée au départ. Et toi? En vrai, j'aurais bien une petite Mountain. Ah ouais? Une petite Mountain, moi ça me met très bien. Un peu de dégâts en plus là. Oh. Ouais, c'est vrai qu'Extek ou Infernal, ce serait pas mal, mais une petite Mountain là. Miam miam. Moi j'ai dit miam miam. Ça, je suis d'accord. Petite chose notable quand même, c'est au niveau de la vision entre les deux équipes. Pour le coup, on a un gros travail de vision pour la team McFlurry. On peut voir que tout la river top et bot side est ward avec les pinks, mais aussi la jungle bot side de chez McFlurry. Donc c'est plutôt positif, franchement. On met des wards plutôt safe, on va dire, pour essayer de. Là, il était pas très safe le Viego. Hein. Ouais. Non, la ward oui, mais le Viego non. Ouais, non, c'est pour le moment c'est un beau travail de vision que fait cette équipe. Voilà. C'est vrai. Ah, c'est vrai que ça joue bien, ça fait plaisir. Oh là, la petite stun de la Syndra, est-ce qu'on peut tuer? On ne tuera pas. Quel dommage, il manque juste un tout petit peu de dégâts. Pas mal de dégâts, hein. Même pas un item avec de la Syndra, c'est déjà assez... Ouais, mais je te dis, le rework, il est vraiment sympa. Et l'Herald qui a été mimid, tandis qu'on veut prendre ce Drake. Hein, mais attention, il y a le Volibear qui est bot depuis un petit moment, même si c'était un peu zoné là pour l'instant. On a la Syndra qui va décaler. Ah, ça va être du 4v3. Hein. C'est du 4v3, hein. On essaie toujours de faire le surnom, moi. C'est vrai que c'est pas mal, on a une TP de la part du Victor pour peut-être essayer d'assister. Et c'est une Mountain. J'avais raison. Oh là là. Encore, voilà, j'ai tout le temps raison, j'en peux plus. C'est trop facile en fait, enfin, s'il vous plaît, du challenge en fait. Ah ouais, d'accord. S'il vous plaît, du challenge dans ce jeu. Ouais. Du challenge, bah oui. Le troisième œil est présent, je pense que c'est l'influence de mes femmes. Voilà, elles ont des dons et j'infuse ces dons et je m'en sers pour le troisième œil de l'âme dans League of Legends pendant mon cast. C'est le fameux troisième œil, évidemment. Et le fameux. Oula, attention, par contre, le Volibear là, c'est du 2v4. Très joli stun de la part de la Syndra. On ulti pour le Viego. On flash in le Thresh qui viendra en renfort. Mais ulti Ezreal plus ensuite, je crois que c'est un stun de la Syndra qui réussiront à prendre la vie de ce pauvre petit nounours. Oula, attention, hein, taunt flash out sous la tour de part du chêne. Ouais, c'était un petit peu de patate dans la tronche, quoi. Mais oui, effectivement. Et puis, je pense que le set va partir Gordrinker. Voilà, c'est des stuffs qui se font. Set est l'un des rares persos, je trouve, avec un stuff qui est alors extrêmement ambivalent. Je veux dire, il a énormément de possibilités de stuff, hein. Gordrinker, on a du Eviscérateur, on a beaucoup de choses. Hein. On a une question très intéressante dans le chat, ça va nous permettre de vous instruire, très cher chat, et ça me fait très plaisir cette question. Voilà. Du coup, on a Stress Tweak, alors je te réponds juste après le fight. Ok, alors le flash out de la part du Ezreal, la Zyra qui va mettre son ulti, les dégâts sont très très bons, faut faire attention, hein, le flash out de la part du Victor, et ça n'ira pas plus loin, et du coup je vais pouvoir t'instruire, très cher Tristwick. Donc il nous dit, petite question, l'âme ne peut jamais être celle des deux premiers Drake? Eh bien non, ils ont changé ça en 2020, oui. En 2020 ils ont mis le système des âmes. Autant avant tu pouvais avoir genre 4 Drake d'Infernal si la RNG voulait. Maintenant t'as les deux premiers Drake et après t'as une âme différente des deux premiers Drake. C'est depuis 2020 en fait, c'est comme ça, l'âme sera toujours différente des deux premiers Drake qui ont spawn. Donc là tu vois, on a eu un Drake des vents et un Drake d'océan en deux premiers Drake. Et ben du coup l'âme ça pouvait être que Extek, Infernal ou Mountain. Et nous on s'amuse à deviner en fait. Et généralement, je gagne toujours au jeu de la devinette. Oui, et on a vu le Volibear qui a pris un méchant trade de la part du Viego pendant que j'étais en train de parler. Le pauvre, il a dû reculer entre T2 et T3.
Et oui, c'est sûr. Hein. Mais oui, effectivement, comme tu disais, effectivement, on ne peut pas. Par contre, on peut avoir les deux mêmes premiers Drake, par contre. Ça, c'est possible. On peut avoir, par exemple. C'est impossible. Depuis 2020, c'est impossible. Avant, c'était possible d'avoir, par exemple, deux Drake Inferno et après, t'avais un Drake des vents, un Drake des montagnes. Maintenant, c'est impossible d'avoir les deux premiers Drake. Les deux premiers Drake sont différents. Tous les Drake qui viennent après, jusqu'à ce qu'une des deux équipes ait claim l'âme, ce sera exactement les mêmes. Alors, c'est pas ce que j'ai dit ? Non, t'as dit que les deux premiers pouvaient être identiques. D'accord, ok. Je pète un cap ce soir, c'est grave. Il y a pas de soucis. On est vendredi soir, c'est la fatigue de la longue semaine de travail. Tandis que on prend l'Hérald hein, et on a vu un nouveau swap entre la botlane et la top lane côté encore. McFlurry. Très joli macro. Ouais, c'est très clair. Oulala, attention, l'engage. Engage de la part du Shane qui a pris 0 dégâts et qui a mis très très mal cette petite. Très jolie stopwatch sur l'ulti de la Syndra. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Elle réussira quand même à le tuer. Bravo pour cette Syndra qui est déjà en 2-0. 146 de farm, 250 gold de prime. Elle a 2000 gold de plus que son adversaire. Bravo à elle. C'est clair. Respect. Gros respect. Et puis, il y a 3K gold 5 d'écart entre les deux équipes. Flash dans le stun du Viego, ulti du Viego. Il récupérera l'âme de la Kai'Sa. Aïe. Quel dommage pour cette Kai'Sa. Le Viego avait parfaitement prédit son flash. Et du coup, elle flashine dans le stun, ce qui la condamne. Aïe. On voit en tout cas une équipe McFlurry qui veut accélérer la game. Hein. Voilà, on a une Syndra qui a 2 kills, on a un Viego qui a 2 kills. Et ben, on veut accélérer la game, on veut réussir à prendre les objectifs, prendre la prio pour finir cette game. Ça, c'est propre, hein. Très très propre. Cette game. Exactement. Et pour le coup, du coup, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Hein. On a pris la first turret en mid lane, celle en bot lane. Donc vraiment, on essaye de terminer la game assez rapidement. Donc oui, effectivement, comme tu le dis, c'est une très belle macro, et puis surtout, on va commencer déjà à jouer le Drake. Peut-être un fast Drake, je pense, qui va être joué pour cette Mountain Soul, mais en tout cas, oui. Je pense qu'on va avoir un petit peu de fight, parce qu'il y a quand même... ça va être du 4v4, je pense, en tout cas. Il y a toute la team... Bah ouais, le 7 n'a pas de TP, du coup il peut pas join le fight. Après je pense, hein, vu les déplacements sur la map, hein, on voit ça reste côté red buff pour les Shinigami. À mon avis on va même pas essayer de contester ce Drake, peut-être non, le prochain. Non. Mais là ouais, on n'a pas la peut-être vision, on n'a pas la position, c'est pas possible. Et puis surtout on n'a pas les items, on n'a pas les dégâts, on ne peut pas contester ce Drake, sachant que c'était top. C'est compliqué. Voilà, on ne peut pas trop contester, les deux personnes un peu faibles, on va dire, de la game sont présents sur ce Drake, donc on ne peut pas. On ne peut pas le contester, ce qui néanmoins n'est pas une fatalité en soi, puisqu'on a quand même d'autres Drakes à venir, et c'est entre guillemets que les deux premiers Drakes. Ouais, c'est ça, et puis surtout, comme tu l'as dit en début de game, on a quand même une équipe qui scale très très fort. Hein. Alors même si l'autre équipe scale aussi, on a quand même une Kai'Sa, on a un Victor, ça scale. Suffit juste d'être patient et turtle, et à mon avis, la game est gérable, la game est rattrapable pour les Shinigami. Oui. Hein. Clairement, la game est clairement rattrapable. On peut faire quelque chose, je pense, du côté de Shinigami. À eux de créer la différence dans cette game. Ah, peut-être la différence botlane. On voit le Volibear là qui ghost bien son Victor, mais malheureusement c'était pinké. Et oui, c'était pinké. Arrête, je vais me mettre à faire des U, mon copain, il va péter des plombs là, il va venir m'assassiner en live, il faut pas. Ah, ça aime pas les U. Ah, je fais les U, je fais des U, frère, je sais même pas d'où je les sors. Hein. Aïe, attention le chat, hein. Peut-être si vraiment on est en misère. Oula, attention le trash, hein. Il fait check, il est tout seul contre 3 et il est obligé de flash out pour sauver sa vie. Et oui, hein, évidemment, on était peut-être un petit peu greedy. Pas trop de vision. Ils étaient 3, je pense que le flash était clairement nécessaire. Ouais, ah oui, puis, oui, voilà. Il s'en sortait pas à mon avis. S'il faisait pas son meilleur flash out, il s'en sortait pas. Mais ouais, il faut être prudent, la game, hein. Ouais, faut effectivement, comme tu disais, ouais. Faut être prudent, faut pas trop face check. Sachant que McFlurry accélère grandement la game. En tout cas, pas tout seul, son face check. Oui, c'est ça, pas tout seul, en team de 4.
Ouais, en team de 4-5 là, ce serait pas mal. 4, même 5, ce serait bien. 5, aussi. C'est pas mal aussi. Ouais, non, mais là, on a pris toutes les premières towers, donc. Voilà, on accélère bien la game, déjà à 19 minutes de jeu. Ça s'éternise pas trop, je pense. Le chat me tente à faire des petits U. Non, le chat, vous n'êtes pas prêt pour ça. Le chat est en POV Timo, c'est pas possible. Hein. Le chat n'est pas prêt pour les U que je pourrais sortir dans le chat. Arrêtez. Arrêtez ça. Il n'est pas sain pour vous d'entendre ce qui pourrait aller U, qui pourrait être émis lors de ce cast. Arrêtez, chat. pensez au copain de Mélédis, s'il vous plaît. Pray for the copain of Mélédis. Ah non, mais de toute manière, mon copain, il est habitué, il me sort un gros ta gueule, et puis c'est tout, tu vois. Mais c'est juste que je pense que la moitié du chat décède, en fait. Chat, il est là en mode Dice from Cringe. Eh oui, effectivement. Mais on a déjà, du coup, pris déjà un petit peu d'objectif. Attention, hein, le Viego qui se fait cacher, peut-être une occasion de faire un bon fight pour les Shinigami. Mais on continuera pas. Ils étaient 4, c'était du 4v3 avec pas mal de low life. Ça aurait été close, je pense. Mais pour le moment, ouais. C'est assez compliqué. Pour les Shinigami, on back pour essayer d'avoir les items. Peut-être le Rabadon de la Syndra, sûrement d'ailleurs. Et oui, Rabadon de la Syndra. Ouais, ça risque d'être un petit peu compliqué. Sachant qu'ils ont accéléré la game, on a augmenté l'écart de gold, hein, quasiment 5k gold. Donc oui. C'est vrai qu'à 20 minutes, 5k gold, c'est quand même assez huge. Hein, C'est conséquent, ouais. C'est vrai que ouais, c'est conséquent. Hein. C'est pas souvent qu'on voit ça, en plus. Enfin, vraiment, il y a... Alors, évidemment, ce n'est pas pour dénigrer les équipes, mais ça joue très très bien pour le level, un gold de plate, des fois. Alors, des fois, c'est un peu plus désorganisé, la macro est pas si terrible que ça, là, non, c'est... Ça joue vraiment bien, ça fait des bons moves. En tout cas, soit la team McFlurry, elle joue ensemble depuis longtemps, soit ils ont eu un coup de bol de tomber les uns avec les autres parce que vraiment ils ont une très très bonne cohésion et une très très bonne macro. Très très bonne synergie. Hein. Très apprécié. Pour le coup, c'est très apprécié de voir un niveau de jeu, des petites stratégies assez fines comme ça. J'aime beaucoup. Et puis toujours ce travail de vision voilà, que sur le Drake qui est fait. On a quand même un petit peu de vision sur le Nashor, pas beaucoup, mais quand même un peu de vision sur le Nashor. Mais ce qui permet de contrôler vraiment les deux axes, quoi. On contrôle et le Nashor et le Drake, bon, plus le Drake que le Nashor, évidemment. Mais ouais, pour le moment, c'est pareil, la vision joue beaucoup, comme quoi. Mettez de la vision, c'est très important. Ouais, c'est très important. Et pourtant, tu regardes le support Lazaira, elle a moins de score de vision que le Thresh, alors... Peut-être parce que du coup, lui, il enlève plus de ward qu'elle, vu qu'il ne donne pas spécialement peut-être, la vision. Ouais. Ouais, ou peut-être que ouais, les wards sont peut-être un peu plus, comment dire, il est peut-être que les wards de Zera, ouais. Attention au top, hein, on a pris des gros dégâts, et là par contre, la team, oula, attention l'ulti de la part du set, le flash out du Shen, est-ce qu'on peut le tuer ce Shen? Moi je pense qu'il y a des choses qui sont possibles, je pense que le set s'il joue bien, il y a moyen. Le ZD en cooldown, ça risque d'être un petit peu compliqué, il peut pas trop attaquer en range. Le chien va se ruer de beaucoup de vie. Ouais, mais lui aussi. Mais... Ouais, ça peut clutch. Hein. Franchement, ça peut clutch. Quoi, pendant qu'on parlait, on a vu des fights. La KSL s'en est sortie avec très peu d'HP. On a vu le Victor qui a été forcé de flash out. Sinon, le pauvre, il se prenait 3 personnes sur lui. C'est compliqué d'avancer, de progresser sur la map pour les Shinigami. En espérant qu'ils trouveront une petite échappatoire ou une petite opportunité pour renverser tout ça. Exactement, parce que dans League of Legends, rien n'est fini, on a toutes les primes sur... On a la prime de 500 sur le Drake, on a la prime de 500 sur le Nashor, on a la prime de 250 jusqu'à 400 pour les tours. Voilà, on peut renverser la situation si ça fait déjà quasiment 1400 gold en plus. Ça permettrait de faire quelques items en plus, je pense, pour les joueurs, sachant que là, il y a quand même, pour la Syndra, par exemple, et le Ezreal... un item d'écart pour son vis-à-vis, quoi. Donc un petit peu plus compliqué, quoi.
C'est vrai que c'est complexe, hein. Là, il faut juste récupérer les waves, il faut peut-être trouver une petite opportunité quelque part, voilà, faut réussir à trouver de toute manière, on voit de tout, hein. On voit des games qui sont condamnés dès les 5 premières minutes, on voit des games qui sont des comebacks complètement impressionnants, donc il y a de tout, hein. Il y a de tout, il suffit d'une occasion. Et une occasion, sinon wow, là on a tout fait une, et là one shot ce pauvre Victor, tandis que la Kai'Sa au mid se retrouve dans une situation délicate et elle sera tuée par le Viego. Ah, attention là, on chase, hein, on sait qu'on est en supériorité numérique, on vient de tuer l'ADC et le midliner. Aïe 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 aïe. Et c'est pareil, en gros, je vais encore me répéter sur la vision, mais plus on avance dans la game, plus la vision est deep, on peut voir que tout le red side et tout le top side quasiment. De Shinigami est wardé par le McFlurry, alors qu'avant on jouait plutôt safe, on jouait dans la river, et petit à petit dans la game la ward a avancé finalement, et là on a la vision sur absolument toute la game de l'ennemi, quoi. Donc c'est, en plus on a pris un Ashor, donc en vend la prime d'une Ashor pour les Shinigami, voilà. Par contre ouais, c'est complexe, mais le prochain timer important pour eux, c'est dans 2 minutes 15. Il y a l'âme des montagnes qui pop, et même si elle donne pas des dégâts en plus, elle donne de la tankiness, donc ça va être encore plus dur de tomber les adversaires. Par contre, on est avec un Ezreal qui est en RP support. Hein. Là, le Ezreal 003 RP support, le frérot. Hein. Support. Ouais, et puis en plus, pour le coup, la Kai'Sa, on peut quand même noter qu'elle a plus de farm que ce Ezreal. Ouais, c'est notable. Respect à elle. Respect à elle, franchement. Respect. C'est pas tout le temps simple. Hein. Et là, on va avoir, je pense, un petit fight, hein, pour pas d'objectif, mais quand même un petit fight. Pour le groupe. C'est pour le groupe. Voilà, pour le groupe. Les raids, ils sont là en mode pour le groupe. Et ils vont tous contre son rond. Hein, quoi, comment ça, je me souviens. Oulala, là là, le flash-in très énervé de la part de la Zyra. Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-elle flash-in? Je n'ai pas compris, mais en tout cas, c'est un kill pour 7. Ouais, c'est un kill pour 7. Bien joué, bien joué à lui. Je pense qu'elle voulait ignite et qu'elle a dû se tromper de touche, la Zyra. Je vois que ça parce que la flash in en avant, ça me paraît pas très cohérent. Bah écoutez, voilà, on parlait d'opportunité et on voit la une. C'est ça, exactement, on voit la une. Un truc que je trouve très fort aussi et qu'il faut noter, c'est les gros canons sous Nashor, puisque le Ezreal, comme on a pu voir, avait juste un poke. Et les ennemis ne pouvaient pas approcher, et voilà. Et les canons tirent à 4 milliards de range, et voilà, tout va bien. Ah oui, non mais les canons, c'est intéressant. Tu sais que l'autre jour, j'ai eu des canons qui trollaient. C'est-à-dire? Genre, no joke, on était dans la base ennemie, on était en train de taper les T4, et en fait, comme il y a une T3 qui était tombée, et que l'inhibiteur était open, mais il n'était pas tombé, les canons, ils étaient en train de taper l'inhibiteur. Du coup, on était là en mode, mais c'est le troll en fait, taper la T4 là, qu'est-ce que vous êtes en train de foutre? C'est le hint! Mais c'était le hint de la part des sbires canons. Enfin, et nous, oui, on était là en mode, mais frérot, vous êtes cringe en fait. Genre, le pire, c'est qu'ils étaient trois, hein. Il y en avait trois qui étaient amassés comme ça et qui tapaient l'inhibiteur bot. On était là en mode, non mais en fait, les frérots, nous, on essaye de terminer une game. S'il vous plaît, vous pouvez venir? C'est souvent comme ça en plus. Ouais, c'est souvent comme ça. Ah là là, et le dernier Drake qui est en train de se jouer, le Drake de l'âme, mais on n'a pas la pause. On le sait, hein, côté Shinigami, on le sait qu'ils sont en train de faire ce Drake, on n'est pas naïf, mais on ne peut pas y aller. En plus, on voit cette Syndra qui campe dans le buisson, qui attend la première opportunité pour one-shot quelqu'un. Oh là, le grab du Thresh qui double de peu. Ça aurait été beau, le grab du Thresh. Hein. Ça aurait pu faire des choses derrière. Mais là, on a bien des wards du côté de Shinigami, on essaie de contrer l'offensive, mais pour moi ça reste assez compliqué encore une fois. Les Shinigami arrivent quand même à bien tempo la game, on va dire. Ils ont pris quand même pas mal de farm, ils ont bien defend, comme tu disais, on disait un petit peu turtle comme tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'on a, ouais, ils ont vraiment pris beaucoup de farm, donc ça peut potentiellement réaligner un petit peu les, pas les niveaux, mais justement les niveaux de champion et puis les stuffs. Très important. Donc voilà. Drake a quand même 5 levels de plus que le support et que le jungler. Le pauvre Olibir qui ne peut malheureusement plus farmer. Là, il a aucun accès à... Là, le problème de Volibear, c'est qu'il est dans une situation quasi impossible. C'est-à-dire qu'il peut pas aller dans sa jungle parce qu'il risque de se faire one-shot si jamais il y a deux ennemis dans un buisson. Et de toute manière, les ennemis ont full wardé sa jungle
et ont pris tous ses camps. Mais il peut pas non plus se permettre de prendre les lanes parce que bah, ses laners en ont trop besoin en fait. Donc là, la situation du Volibear est vraiment très compliquée. Mais en tout cas, on voit qu'ils arrivent quand même bien à Turtle, comme tu le disais, parce que bah la game, elle est pas finie encore. On est à 30 minutes de game, et malgré l'écart de 10 kagol, hein, qui est quand même très conséquent, hein, c'est pas une fin de game. C'est-à-dire qu'il y a une T3 qui est tombée, mais pas d'inhibiteur. Les autres T3 tiennent. Il y a même une T2 qui est encore en vie au top. Donc, ils arrivent à bien turtle. Ils réussissent à pas trop se donner. Tu regardes les KDA, ils ont pas bougé depuis un bon moment. Il y a que un set. Il y a que un set, c'est pas un stomp. C'est pas il y a 1-25, tu vois. Genre, c'est pas il y a 1-25, il y a aucune manière de comeback. Il y a que un set, c'est pas grand chose. Hein. Ça peut se rattraper. En vrai, ça peut se rattraper. Moi, j'y crois. Sincèrement, je sais que j'étais pour les McFlurry au début, mais moi, là, je crois au Shinigami, là, j'ai envie de voir un comeback. J'ai envie de voir ce qu'ils peuvent donner dans cette game. Non, c'est clair, c'est clair. On peut clairement donner quelque chose. Et puis, aussi, malgré tout, le Volibear a été mis au fond. Et ça, c'est vrai que c'est... Enfin, on peut dire tout ce qu'on veut, pour le coup, mais c'est une très bonne macro de la part des McFlurry d'avoir mis ce jungle complètement au fond. Parce que là, il est dans un dilemme que aucun jungle ne voudrait être. Tu peux pas prendre la lane de tes laners et tu peux pas prendre ta jungle parce que l'ennemi est dedans. Tu peux pas prendre la jungle de l'ennemi parce que de toute façon l'ennemi fait un mur. Enfin c'est franchement j'aimerais pas être à sa place. Moi non plus. Ah dommage le grab du Thresh, hein, c'était une bonne occasion. Le Thresh il tente des grabs. Hein. Le Thresh on peut pas lui enlever ça, il tente. Ouais. Hein. Ah oui, de toute façon je pense qu'il faut tenter. Qui ne tente rien, n'a rien. C'est ça, je pense que de toute manière, dans l'état actuel de la game, toute tentative de grab, de catch est bonne à prendre. Si ça marche, eh ben, ça peut leur permettre de comeback. Si ça marche pas, bah, vu l'état de la game qui est quand même assez enfoncé, je pense qu'ils auront pas de regrets. Ils se diront, bah écoute, c'est la première game du BO, on aura quand même tenté de tout rattraper, on n'a pas réussi, on se rattrape à la deuxième game. Faut pas que ça les impacte en vrai. Faut pas que ça les impacte trop parce qu'une mauvaise game ça arrive. Voilà, draft diff, macro diff, enfin voilà, ce que tu veux. Ça peut expliquer, mais faut pas se laisser abattre. Il reste deux games derrière à jouer, potentiellement. Donc voilà, faut reprendre du poil de la bête et bah, peut-être une deuxième game qui sera gagnée par les Shinigami. Hein. On ne sait pas. Justement, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et puis, c'est une grande faculté qu'il faut acquérir dans League of Legends, c'est de pouvoir faire un mental reset et de dire bon, ok, c'est une game de merde. On sait ce qu'ils font, on sait comment ils jouent et directement on contre-attaque et puis on gagne le BO parce que de toute façon League of Legends, en tout cas dans la voie d'aventure, c'est un marathon justement. Parce que celui qui gagne la première game qui a gagné. C'est ça. Donc, ouais, faut gagner deux games hein, pour gagner un BO et oh là là, très jolie tentative de steal, malheureusement le fight single, je Viego qui prendra un kill sur le Volibear, le Ezreal qui réussira à prendre un kill sur le Victor et là on chase le flash in immédiatement de la Syndra qui mettra un très joli stun et réussira à récupérer le kill sur le Thresh et pendant ce temps là le pauvre set est tombé des mains du Viego également et là oui, je pense que ça va être rien, c'est peut-être game. Ah, c'est sûrement game, c'est même game, pour être très honnête avec toi. Je ne veux pas être complètement défaitiste, mais là, avec le Baron Nashor, il n'y a que Kai'Sa pour défendre en 1v5. À mon avis, là, c'est game. La tour qui troll. La tour qui troll. Oh, ouais. La tour qui troll un peu quand même. Oh là là, la Kai'Sa, les sidesteps. Le flash in immédiatement sur la Syndra, malheureusement, elle avait une stopwatch, mais très belle tentative de la part de la Kai'Sa. Bravo, bravo à elle. Et oui, on voit que les Shin Megami disent GG à leur opposant. Oui. GG à eux. Je crois que je n'ai jamais vu ça. Vraiment. Je crois que je n'ai jamais vu un GG en fin de game de la part des losers. Des losers. Des gens qui ont perdu, pardon. De l'équipe qui a lose. Exactement. Attention, les glissades, très cher Alba. tu glisses. Attention. Alors le sol est glissant. Bon. attention là où vous mettez les pieds. J'ai rien dit, c'est pas moi. Mensonge. Non, mais les deux équipes ont bien joué. Il y a malheureusement pour les Shinigami une équipe qui a mené le plus. Hein. McFlurry a quand même dominé, on va dire, cette game. Pas stomp, comme tu le disais, parce qu'on ouais, a eu pas des choses. Qui... Il y a eu un bon turtle qui a été fait. Oh là là, les experts comptables qui débarquent dans le chat. Bienvenue à vous, très chers messieurs. Comment allez-vous ? Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors oui c'est bon, par contre moi ce qui me fait vraiment de la peine, vraiment là tu vois, ce qui me fait vraiment de la peine,
C'est le Volibear qui a 1400 de dégâts aux champions. Ah oui. Non mais C'est c'est. le pauvre. Vraiment, sa game n'a vraiment pas été facile. Il a 7645 de gold. Même la Zyra a 2000 de gold de plus que lui. Enfin, vraiment, le Volibear, il a eu une game infernale. Grande force à toi, très cher Voli. Grande force à toi. Là, vraiment, je pense que. Je sais pas si vous nous écoutez, les Shinigami, mais mon conseil, c'est de prendre une petite pause. Vous allez pisser, vous allez prendre un café, vous allez Exactement. prendre de l'eau, vous allez vous rafraîchir la tête, juste 2-3 minutes, et puis après vous revenez et puis vous reprenez du poil de la bête. Là, faut pas vous laisser abattre. Une mauvaise game, ça arrive. D'ailleurs, GG au McFlurry pour avoir gagné. Mais une C'est mauvaise clair, game, ouais. ça arrive. Ça arrive à tout le monde, ça nous arrive tous dans une game de faire du 0-12 et d'être des personnes avec un int absolument infini. Faut juste pas se laisser abattre, faut reprendre du poil de la bête. Rien n'est perdu, c'est qu'une seule game sur trois, donc il y a moyen de comeback. Hein. Moi, c'est très souvent dans les BO que je caste. La première game est perdue par une équipe, bah voilà, les experts comptables qui sont dans le chat, ils vont pouvoir le confirmer parce que c'est exactement ce qui s'est passé lundi. Ils ont perdu la première game, ils ont gagné la deuxième game et troisième game ils l'ont gagné aussi. Donc voilà quoi, c'est une première game perdue ne veut pas dire un BO perdu. Faut bien se mettre ça en tête. Exactement. Et puis, comme tu le disais, il faut mental reset et puis repartir peut-être avec une peut-être éventuellement une pause pour repartir de plus belle et puis pouvoir proposer un truc peut-être plus quali pour eux en tout cas. C'est ça, Voilà. quelque chose qui les satisfera mieux, parce qu'à mon avis, ils ne sont pas Exactement. très satisfaits de cette game. Ok, donc il y a une petite Ok. pause. Petite pause. Je vais vous mettre le chat en attente pendant 5 petites minutes. Ce sera peut-être plus, ce sera peut-être moins. On vous tient au courant. Moi, de toute manière, je vais mettre un timer à 5 minutes. Comme ça, on se retrouve à 22h. Je vais mettre quoi? Je vais mettre 22h, 22h02. Voilà, ça met un peu plus de 5 minutes. Je vais vous mettre un petit peu de musique et on se retrouve dans 5-6 minutes. À tout de suite, le chat. Yes.
J'espère que vous allez bien. Comment est-ce que ça va après ces 5 petites minutes de pause? Personnellement, je suis allé me chercher de l'eau. Parce que l'eau, c'est important. N'oubliez pas, l'eau, c'est bien pour vivre. Hein, exactement, l'eau, c'est très important. Et dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est ça, j'aime l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Exactement. Non, non, mais de même, écoute, un petit peu d'eau et puis... Bon, en tout cas, il y a eu un peu de hint de ma part. Parce que... C'est-à-dire, bah en fait c'était la première pause que je mettais depuis le rework des scènes et en fait j'avais pas remarqué qu'il fallait enlever le chat, du coup t'avais le chat en énorme, en dégueulasse, en plein milieu qui cachait pas le truc. J'ai essayé de le bouger, ça marchait pas, et là j'ai fait bon bah ça se trouve faut l'enlever mais je sais pas. Et là t'as Sunbo qui me fait oui oui faut que tu l'enlèves, je fais oh oups. En tout cas merci à la Blondine pour ton follow il y a 5 minutes, merci beaucoup à toi. Merci, merci, merci. Coucou, j'aime bien. C'est bon, j'ai terminé. Non, je crois qu'on t'entend pas. Ah si, on t'entend. Ah, nice. Alors au moins, je n'ai pas fait le hint de ne pas avoir, de ne pas avoir mon micro et mes haut-parleurs et de parler dans le monde comme une idiote. Mais on va mettre la scène facecam, ce sera quand même mieux. Bonsoir à toi, grand chef. Comment vas-tu? Comment allez-vous au grand Sachem? Sachem. C'est comme ça qu'on appelait les chefs indiens. Ah. Voilà. Intéressant, culture G maintenant sur LOL. Eh ben évidemment, évidemment, évidemment. Le chat est mieux sur cette scène. Oui, c'est sûr qu'il est mieux. Hein. Non, non, cette scène est très très bien. Mais c'est vrai que j'avais pas mis la pause en fait, parce qu'on avait des équipes qui étaient très très déterminées avant. Surtout qu'en plus, il y en a, ils avaient pas le temps. Hein. C'est-à-dire qu'on a demandé s'ils faisaient une pause entre, je crois, la deuxième et la troisième game, parce qu'il y avait un. Ils ont dit non, c'est bon, les casters, ça fait déjà 3 minutes qu'on vous attend, dépêchez-vous. J'étais là en mode, alors par contre, ouais. Tu vas te calmer, tu ne me parles pas comme ça, sinon tu vas finir emplâtré dans le mur. Ah, dis ça, genre... donc. Ah, mais je te jure, le frérot, il était là en mode, non, ça fait déjà 3 minutes qu'on vous attend, on n'a pas que ça à foutre. J'étais là en mode, attends, mais oh, PTDR, t'es qui en fait? Mais non, laisse les équipes se reposer tranquillement, doucement. Mental reset, ça prend du temps. Voilà. Mais non, mais c'est les équipes qui m'avaient sorti ça. En fait, les équipes, je leur ai demandé s'ils faisaient une pause, et il y a un des deux capitaines ou un des joueurs des équipes qui m'a dit eh ben non, les casters, avec le délai, ça fait 5 minutes qu'on vous attend, on n'a pas que ça à faire, dépêchez-vous. J'étais là en mode mais tu te prends pour qui en fait? Enfin, frérot, et tu es cringe. Nous, on a besoin de mental reset. Voilà, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps d'aller chercher une bouteille d'eau. Donc, exactement. Je suis très d'accord. Voilà, il faut trouver, il faut... voilà. Bon, on va la trouver. Là, nous avons des équipes bienveillantes. Exactement. Qui nous demandent, dites-nous le cast quand vous êtes ready pour la draft. Et j'aurais dit, bah, quand vous voulez. Oui. Mais ouais, non, je te jure, j'avais été choqué, tu vois, que les équipes, elles sont là en mode, non, mais ça fait 3 minutes, on vous attend, manier votre cul. Je te jure en mode, pardon, excuse-moi. Toi, tu seras plus cast, hein. Bon, je me souviens plus qui c'est, mais... Toi, tu... Hop, oh, pouf. Ah, toi, bizarrement, toi... Oh, bah, c'est dommage, t'es ban. Attends, tu voulais être streamé ce soir? Alors, on n'a plus de place. Désolé, c'est dommage. Il y a genre 6 ou 7 équipes qu'on demandait avant toi, on en a choisi une autre, dis donc. Au passage, mais enfin, soyez bienveillants avec les casters, puisque oui. Nous faisons notre possible pour que ce stream soit des plus agréables. Des teams savent le faire, d'autres non. Faites-le. C'est comme j'ai une pauvre équipe. Voilà, faites-le. J'ai une pauvre équipe. Ceux qui faisaient la draft, ils mettaient pas leur nom d'équipe, ils mettaient les méchants. Genre, en fait, genre, imaginons, t'as l'équipe Watt. On va dire Watt parce que c'est notre structure. Et ben, on va dire l'équipe Watt, elle mettait Watt, tu vois. Et en face, ils mettaient pas le nom de l'équipe, ils mettaient les méchants. Et du coup, troisième game, les pauvres, ils étaient en dépression. Ils étaient là en mode, non mais s'il vous plaît, vous pouvez pas mettre notre nom d'équipe, c'est un peu irrespectueux. Et puis voilà, quoi, on a un nom en fait. J'étais là en mode, oh no.
C'est mode, oh non, les pauvres, ça les a affectés mentalement, il y avait un debuff mental. Oh non. Un debuff mental. Faites l'amour, pas la guerre, vivent les Carrément. experts comptables. Bah écoute, très cher Int, j'espère que tu vas gagner ta division. Je crois que t'es 6B ou 6A, je me souviens plus. Je sais que t'es dans la division 6, donc ça je le souviens. Je me souviens. La division. Mais en tout cas, Int Mais... qui a un poteau. Voilà, on s'est rencontrés pendant des sessions de JOQ. On a JOQ ensemble, c'est très bien passé et on s'est retrouvés par hasard sur la boîte. Voilà, lui en tant que joueur, moi en tant que casteuse. Et j'étais là en mode, Voyons. mon poteau, comment ça Aïe, aïe, aïe. Comme quoi la nature fait bien les choses. va? Ouais, comme quoi la vie fait bien les choses. Mais c'est comme là, il y a des structures que je connais qui participent à la Watt. Ça me. Bah. Donc, ils ont pas. Je crois qu'ils ont pas encore remarqué que j'étais casteuse. Mais ouais, t'as. Bah, la Kaedess, je la connais. Il y a qui d'autre? D'accord, Il ok, y a Taunt, bien, tu vois. je les connais aussi, Division 2. Taunt et Ok, Kaedess, je connais les ouais, structures, je vois, je vois. je connais les dirigeants. Eldriders, bah évidemment, c'est des grands partenaires de la Watt. Hein. Évidemment. Évidemment. J'ai vu une autre. J'en avais vu une autre que je connaissais. Bon, évidemment, Requiem for a Noob, bah, ça fait plusieurs saisons qu'ils participent, c'est devenu les bros. Pre4Kills, non, ça c'est une équipe que je connais, que j'avais cast. Ouais, ça fait plaisir, quand je regarde les équipes, j'en retrouve plusieurs qui étaient là à la précédente saison, donc ça fait plaisir de voir que les équipes elles rempilent. Typiquement, t'as Aonix, t'as les Time to AFK, il y a toutes les équipes Hellriders, hein, il y en a plein qu'on connaît ici. Il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre là que je reconnais? Attends que je regarde. Titi. Où est-ce qu'ils sont? Praise the Sun. L'équipe Praise the Sun, typiquement, qui est dans la 9A aussi avec Shinigami et McFlurry. Ils étaient là. Allez. Les Pray for Kills, ils étaient là la saison dernière. Rift Brotherhood aussi, ils étaient là. Je les ai cast. Donc, non, ça fait super Ok. plaisir de revoir des équipes, quoi. Oula, alors attendez, Bah, c'est bien, oui. pendant que je parlais, il y a la draft qui a commencé. J'ai eu un ban, Oui, là, ça a excusez-moi. Hop commencé. là, pardon, pardon, pardon. Désolé, je parle Non, c'est trop. pas grave. Et du coup, on a changé de. On a changé de side, en tout cas. Voilà, on a changé de side. McFlurry en blue et Shinigami en red. Effectivement. Petit ban Un Azir, je premier pense que ban ça se comprend. Asien. Vu que c'est le Darius, mort main. de Kaiser, on banne tous les mains comme on a eu à la première game. Ouais, on reste sur le même ban que la première game. Pour l'instant, pas de ban Yuumi. Je croise les doigts. Le ban Je Vel'Koz. close encore, hop Pas là, Yuumi, pas encore un Yuumi, ban pas mid Yuumi, pas lane. Yuumi. Un Aïe, first kiss. aïe, Non, le aïe. chatonks! Dur, dur. On banne le chatonx. Et oui. Ah, on repart sur les mêmes bans, hein. Précisément les mêmes bans. Hein. Exactement les mêmes. Donc, c'est ouais, assez pour le moment assez atypique parce que souvent quand on regarde les équipes, elles essaient de changer un petit peu les bans. Mais d'accord, très bien. Le Viego qui est repique. Viego Un qui deuxième apparemment Viego. a bien plu à quelques personnes dans le chat. Ah oui, non, clairement propre, hein. Clairement des bonnes mécaniques, bonne macro, bonne jungle, franchement, très propre. Peut-être que il aurait fallu peut-être ban ce Viego effectivement en première phase Peut-être, hein. de ban. Mais bon, on pourra le voir après dans la game. Le crocodile. Oh, le sac à main. Le sac à Oh, le main sac à main. vivant. Oh, le Lacoste. Oh, Le le Gucci. Oh, le Gucci. Dolce Gabbana. Oh là là. Top lane, top lane. Miam. On abandonne le set. Mais oh, et du coup, on reprend la Syndra. Hein. Ah non, on reprend pas la Syndra, pardon. On pique la Syndra de l'ennemi. Oh non, on vole la Syndra. On vole la Syndra. Eh bah Donc, écoute, très cher, ouais. très haut, bonne soirée à toi et amuse-toi bien à regarder les Bonne soirée. wards. Tu es désormais un traître, tu es sur la liste Exactement. noire et tu es banni de la chaîne dans la seconde. Voilà, c'est bon. Exactement. Fallait pas se barrer pour Parce aller regarder les wards. que. Exactement, et surtout n'oubliez pas la watt au-dessus des worlds. Voilà. Évidemment, enfin, je vois pas pourquoi vous allez regarder les wards alors que vous avez la wad venture. Avec C'est ce très très magnifique cringe gameplay, tout ça. franchement, je sais pas ce que vous voulez de plus quand j'ai des casters incroyables, un gameplay magnifique.
Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il leur faut 300 balais à Mars. Écoute, on sait pas, peut-être. Peut-être que c'est ce qui leur manque dans leur vie. Peut-être, peut-être. Oh. Alors, on repareille C'est gauche pour. et lyonnais. Oh, purée. Oh, mon Dieu. Ah, voilà, on veut la castagne. Oui. Parce que aussi, on repart un petit peu sur la même compo, Vie Gauchen. Il est vrai, il est vrai. Le moment, on est assez, ouais, vaille. Voilà, petite vaille, Peut-être. peut-être. Une Peut-être sur vaille, la ouais. vaille. Oh là là, c'est la vaille. Ok, une vaille en jungle, ouais, Je veux une contre un Caitlyn. Viego. Je veux une Caitlyn ADC. Je l'exige. Les Shinigami, là maintenant, venez sur le live. Je veux que vous preniez une Caitlyn ADC. Voilà. Et une Tout de Jinx suite. support, ce sera encore mieux. Je me Ou alors marre une Jinx en face. si Non, vous une voulez Jinx Caitlyn. en face, ce sera encore plus méta. C'est l'or. Vous mettez Caitlyn en ADC chez les Shinigami, Jinx chez les McFlurry, et voilà, vous Ouh. faites un truc 100% l'or. Oh, le ban de la Zyra. Bah oui, du coup, oui. Non, Ah. Ils t'ont écouté. le C'est mec Fleury qui t'ont écouté. Ils ont dit hop là. ban Jinx, Non. non! Non! Non, la Jinx! D'ailleurs, le saviez-vous, le background de Jinx, c'est exactement le même que Vi, mais en version détruite. Exactement. Voilà. Pour les gens qui ne savaient pas. Pour les gens qui ne savaient pas. Ouh. Peut-être. Ouais, on banne Pour le le ban Ezreal, hein. On Jezreel. banne. Ouais, on évite la même compo qui avait plutôt bien marché, qui avait même très bien marché. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ouais, Ezreal avait plutôt bien marché dans la première game, donc. Et puis on évite aussi de reprendre la même compo. Non mais McFlurry, vous êtes très très sus là. Non, Oh mais non, fort, vous vous êtes êtes sus là. vous êtes suspect, McFlurry, là, ce n'est pas Non mais possible, en fait. c'est très. Non mais c'est sus. Non mais attends, c'est incroyable. Alors si t'as vraiment prédicté ça, franchement, Non, non, c'est pas... Ils étaient sur live, c'est pas je suis sûr, il y en a possible. un qui était sur le live. Non, il y en a un Impossible. qui est sur live. Attends, je vais leur demander. Il y en a un qui est sur le live, rassurez-moi. Non, non, rassurez-moi, c'est pas possible. Parce que là, on a quand même un... on tient quand même un sacré truc. On tient un truc assez. Assez couillu quand même, si je peux me permettre. C'est. Ah ouais, et puis on commence à reprendre la même compo, hein. Kai'Sa en bot lane. Ouais. On reprend cette Kai'Sa. J'ai du mal. Est-ce que Kai'Sa était du côté Shinigami ou côté McFlurry? Non, la Kai'Sa était côté Shinigami tout à l'heure. Elle était Blue Side. C'est. D'accord, ok. C'est ça. Donc c'est ça. Donc McFlurry reprend le pick de l'adversaire. MF contre Kai'Sa, c'est pas trop mal. Ouh, Oh, la Séraphine. petite Ouh là Séraphine. là. Attends, oh oui. Ouh là là. Il y en a une qui va être contente. N'est-ce pas? Ouais, avec Miss Fortune, effectivement. Qu'est-ce qu'on pourrait synergiser avec. Miss Fortune, je sais pas trop, Leona peut-être, Nautilus éventuellement, même s'il est plus Ouais, trop probable. un bon tank, ça pourrait être pas mal, parce que là, on a Renekton, mais Ah. on n'a pas... Oh, la petite Renata. En vrai, Renata, c'est Renata, vraiment ouais. pas mal, hein. Ça peut bien comboter, je pense. Je pense que ça peut bien comboter. On peut faire des trucs sympas, je pense. Sur cette botlane avec un ulti Renata, avec un ulti MF d'un coup, boum, bim, bam, boum, carré, finito pipo. Mais en même temps, il y a aussi l'ulti de Séraphine pour un peu contrer tout ça. Donc, je sais pas. Dis-moi un petit peu, peut-être une petite piécette sur l'une des deux équipes. Alors attends, je suis en train d'expliquer comment marche le spectateur mode à nos très chères équipes. Parce que Ouais. je leur parle du truc Caitlyn Jinx et on me dit, mais attendez, vous avez pas de délai, comment ça se fait? Et je leur dis qu'actuellement on n'a pas de délai, mais une fois que les 30 secondes de fin de pick sont les 50 secondes de fin de pick sont finies, on a 3 minutes. Mais là on a genre 3 secondes de délai. Attends, je vais leur dire. Oui. Est-ce que pour le coup là. Oui. Ouais, Ouais, on du a coup 3 secondes, après c'est ça, moi 33. j'aime beaucoup Séraphine, du coup je suis pas vraiment petit, je suis pas en fait le problème c'est que là il y a deux compos que j'aime énormément.
Enfin, il y a deux trucs à la botlane que j'aime énormément. Du coup, je vais vraiment, vraiment, vraiment pas être. Je vais vraiment pas être. Comment dire, être objective. Parce que Séraphine, c'est un perso que j'aime beaucoup. Je trouve que l'ulti est broken. En plus, là, t'as un Shen en frontline, t'as un Viego et un Yone qui peut go in. Donc, l'ulti peut être vraiment ultra fort. Il peut vraiment toucher tout le monde. Mais en face, t'as MF Renata, quoi. T'as MF Renata, c'est extrêmement fort. Donc, ouais. J'avoue que. Compliqué d'eau, hein. Ouais, j'avoue que mettre une pièce sur une des deux équipes, très très compliqué. Je veux croire au comeback des Shinigami, très sincèrement. Donc, j'avoue que j'aurais plus tendance à mettre ma pièce sur eux. Ah, on a eu un petit. Ah. On a un Ouais. petit live. Petit souci technique de la part d'une des équipes. Hop, on change la scène. Alors. Ouais. Tu peux pas dans la game. Ah. Ok. Ah. Petit souci technique, ça arrive. Eh oui. Ça arrive, y a pas de souci. Y a pas de problème, mais ouais, c'est sûr que si le support n'est pas connecté à la game, il ne peut Ça risque pas. d'être Voilà, compliqué, en ça risque d'être fait. compliqué. Ça risque d'être compliqué. Ouais, je pense que effectivement, ça risque d'être un petit peu compliqué si on est à comment dire? Ça c'est un petit peu compliqué si on est à 4v5, bon. Voilà, dire que l'autre fois, il y a notre très cher Sunbow m'a demandé de chanter. Chanter. Ah oui. Ouais, bah parce qu'en fait, Péter un câble. non mais parce qu'en fait, il m'a raconté qu'il y a un des casters qui s'était mis à jongler devant la caméra et du coup il m'a dit, j'ai dit alors moi je ne chante pas, c'est-à-dire que moi je ne jongle pas, à la limite je chante. Et là Sunbow il était là en mode oh oui une chanson et j'étais là en mode PTDR non. Non mais. Techniquement, je Infime ce son pourrais, de bon. mais non, merci en fait. Techniquement, tu pourrais. Bah, je sais chanter, tu Tu vois. J'ai fait partie de la chorale du collège pendant 3 ans. Donc, techniquement, tu vois, je sais chanter. Y a du skill vocal, tu vois. C'est pas juste, as du skill vocal. je vais pas vous casser les oreilles, mais disons que voilà, quoi. Ah On est en ouais. public. Le seul moment où je chante, c'est quand je suis toute seule. Bon, voilà, quoi. On va éviter. On va Il éviter. y a de la. Il y a de la. Comment dire? Il y Y a a de du la macro background. sur les cordes vocales. Hein. Preuve Il y en a de la fake macro. qui me dit ouais bah un de ces quatre on se cale en vocal, je te change une petite chanson là. Waouh. Chanson où t'es viré, Sunbow m'a dit en DM, je n'y crois pas Oui, du tout. oui. Alors Je là. n'y crois mais alors mais pas du tout. C'est pas vrai. Ah la draft est Mensonge. repartie. Voilà, j'aurais pas à chanter, la draft est repartie. Merci la draft. Mensonge, hérésie. Apparition, s'il te plaît. Non, non, mais très cher Hint, arrête, arrête, ça n'arrivera pas. À moins qu'on tombe à court de choses à dire, et je pense qu'avec Alba, ça n'arrivera jamais. Et vu Tu à quel point reviens. je suis un moulin à paroles. La parole. Ça débite, ça débite, ça débite, hein. Non, arrête, arrête, arrête! Les gens ne devaient pas savoir ce qui se passe entre nous, arrête. Oups. Oh là là. Oupsie! Oupsi. Attends, mon copain il est derrière là, je vais courir un petit peu le temps qu'il arrête de me poursuivre et puis Comme avec la chaise. Je vois bien la scène avec la chaise. Non, arrête. reviens. Attends, il me parlait, oui mon cœur? Ah bah il dit qu'il s'en fout donc let's go. J'aime bien le oui, mon cœur. Oui mon amour, non, non, pose ce fusil chéri, arrête. Lâche ce couteau, s'il te plaît. Il Là. suffit. Eh bien, merci beaucoup, je suis Patata pour le follow. C'est très gentil de ta part. Eh bien, merci à toi. Écoute, ça fait plaisir d'avoir de nouveaux membres dans la Watt Family. C'est ça. De faire vivre la Watt, c'est vous. C'est grâce à vous. Eh bien, Voilà. bientôt 1200 followers quand même, hein. On n'est pas C'est ce que très j'ai loin. regardé. On est à Oui. 1797. Bah écoute, ouais. Comment savoir quelle sera la soul? Alors, c'est très simple. Va y avoir deux Drake qui vont pop. Donc, imaginons, on va reprendre l'exemple de la game précédente. Tu vas avoir en premier Drake le Drake océan, en deuxième Drake le Drake des vents. Et ben du coup, la soul, ce soit soit un Drake Hextech, soit un Drake infernal, soit un Drake mountain. En fait, tu peux pas vraiment savoir, en fait. Tu sais que ce sera pas un océan et que ce sera pas un Drake des vents,
mais tu sais pas quelle sera la Saul. Nous, on s'amuse à deviner, et généralement, je devine parce que je dois avoir un troisième œil qui voit dans le futur, mais techniquement, tu peux pas savoir en avance. Tu sais ce que ça ne sera pas, mais tu ne sais pas avec certitude ce que ça sera, à part quand le symbole va pop dans le pit du Drake et quand la map va se modifier. Parce que oui, exactement. Évidemment, avec la modification de map et le symbole dans le pit du Drake, et le tab aussi, qui t'indique quel est le prochain Drake qui va pop, là tu le sais, mais avant c'est impossible de savoir. Exactement. Grosse info, et ben y a pas de souci. Bah oui. Y a pas de souci, on est là aussi pour vous apprendre des trucs, hein, nous les casters, pour vous rappeler et certaines choses, donc y a vraiment pas de souci là-dessus. Bien sûr, bien sûr. N'hésitez pas à poser même des questions qui peuvent paraître bêtes. En fait, elles ne le sont pas. Puisque on a de tous les niveaux, on s'est fait exprès. Voilà votre structure qui. Pardon? Il me dit qu'il a pas entendu le reste parce qu'il s'est tapé une pub. À partir d'où tu t'es arrêté? Dis-moi voilà. Tout, je te répéterai, y a pas de souci. Tu fais pas d'efforts aussi. Non, c'est pas sa faute, c'est pas sa faute. Non, ouais, j'avoue, tu fais pas d'efforts, tu subs pas, mais c'est pas ta faute, c'est pas ta faute. Ça arrive d'être pauvre. Ah, la méchanceté. Non. Parce qu'on peut enlever les pubs. En fait, tu tapes des pubs quand t'es pas sub à une chaîne. Quand t'es sub à une chaîne, t'as plus aucune pub. Oh. Ouais, c'est bon à savoir. Pas mal, ça. D'accord. Okay. Ouais, c'est bon à savoir. Ok, c'est bon à savoir. Donc, les gars, si vous avez plus envie d'avoir de pub, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, mais du coup, voilà, Soupolet, t'as compris le principe. La Soul, ce sera pas les deux premiers Drake. Ils ont changé ça, comme on disait tout à l'heure, en 2020. En 2020, ils ont amené ce système de changement de la map en fonction du dragon qui va pop et de Soul. Et c'est là qu'ils ont fait aussi les modifications de l'Elder. Ouais, c'est ça, exactement. Mais voilà. C'était il y a 2 ans. Bah, il y a 2 ans, c'était testé actuellement sur le. Enfin, on serait il y a 2 ans, ce serait en test, ce serait en cours de test sur le PB. C'est ça, voilà. Oh, qu'est-ce que ça passe? C'est vrai que ça passe vite, hein. Quand tu te dis que Yumi, elle est sortie en 2019, ça fait déjà 3 ans. Et 3 ans que. 3 ans que tout le monde n'arrête pas de dire qu'il faut retirer ce champion de la faille. Tu te rends compte? Les gens deviennent vieux. C'est clair, les gens en ont marre. Les gens en ont tellement marre qu'ils le disent même plus dans les games. C'est ça. Avant c'était spammé, maintenant ça plus personne le dit parce que tout le monde le sait. C'est ça, tellement répandu que. Mais en vrai, je me souviens que justement 6 mois après qu'ils ont sorti Yumi, ils avaient sorti un post avec les statistiques de difficulté de jouer un champion. Et Yumi, contrairement à ce qu'on pensait, a bien la jouer. Je te parle de bien la jouer, je te parle pas de AFK pendant 40 minutes sur ton ADC ou sur le mec qui est le plus feed et mettre un E de temps en temps. A vraiment bien la jouer, a vraiment bien la jouer, à réussir à choper les bons timings où il faut sortir, proc le shield, sur se mettre sur la bonne personne à pile et tout, et ben du coup c'était... il disait que du coup le champion était plus compliqué à jouer qu'une Akali, typiquement. Je me souviens qu'il y avait des stats comme ça qui étaient sortis et que c'était super intéressant en fait. Et où il disait que les joueurs pouvaient toujours crever pour que Yumi elle soit retirée de la faille. Ça me fait plaisir. Oui, principalement, mais. D'accord, donc Yumi est plus mécanique que Akali. Je retiens. Bah ouais, bah, tu regardes, le champion c'est une chips, tu mets un seul CC, tu go dessus, elle est morte en fait. Bon, pas en early, parce qu'en early t'as pas les dégâts entre son passif et son E, elle se régène trop, mais en late. Une Yumi qui se retrouve toute seule, tu lui sautes dessus, la meuf, tu claques des doigts, il n'y a plus de Yumi, tu vois. Donc il disait que mais le champion était quand même assez dur à jouer. Et en vrai, c'est assez vrai, parce que il suffit que t'aies un mauvais timing, tu te fais cesser une connerie comme ça, bah je peux te dire que l'écran, il devient vite... c'est quoi, c'est gris? Il devient vite gris. Nasus Poké! Un grand sage joue Nasus support. Évidemment. Un grand sage joue Nasus Belvette et Zoé support. Furieux Koro. Oh là 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 là. Bah il est de retour en stream d'ailleurs. Ça m'a fait très plaisir de le voir de retour oui. En stream. Bah oui. Écoute, je m'attendais pas du tout. J'ai rien sur YouTube. Un jour, je me balade sur YouTube, même pas. Je tranquille. Voilà, je fais ma vie. Et puis d'un coup, hop, petite notif. Best of Koro. Je fais quoi? Pardon. Nelly. Il est revenu. Mais en vrai, Croco, il en parlait l'autre jour et il disait qu'en fait. Vraiment, Koro, c'est le bro, tu vois, c'est le giga bro, parce que pour lui, streamer, c'est vraiment une passion, et s'il veut pas stream pendant 6 mois, il va pas stream pendant 6 mois pour garder justement ce côté passion, tu vois, il va pas se forcer à stream s'il a plus envie de stream. Et genre, vraiment, Koro, c'est un amour. En vrai, moi, Koro Bizarre, j'adore.
Il a l'air super gentil. En vrai, c'est le mec. Mais c'est normal. Tu te dis que si lui il a pu devenir master, toi un jour tu pourras devenir master en fait. Ce mec te donne de l'espoir. Si lui en faisant des games, il finit toujours un minimum 10 morts, il réussit à gagner, être un bon élément pour son équipe et à faire gagner des games à son équipe, tranquille, tu peux devenir master. Il n'y a pas de souci. Mais non, c'est clair. Et puis, après, c'est sûr. Koro, c'est spécial comme personnage. J'aime bien le personnage qui mène. Comment dire? Bah justement, c'est ça que je trouve cool, c'est que c'est pas un personnage, il est lui-même, tu vois. Et justement, dans un monde où il y a beaucoup de personnes qui sont pas elles-mêmes, en fait, qui se créent un espèce d'alter ego. Alors, alter ego, c'est peut-être un peu fort, mais qui se crée, tu vois, un masque, en fait, en mode, oui, je vais bien, tout va bien, le monde des bisounours, là. Je trouve que c'est rafraîchissant d'avoir des gens qui justement montrent leur vraie personnalité et sont eux-mêmes, tu vois, genre Mister MB, Antoine Daniel, JDG et tout, tu vois, ça fait plaisir d'avoir des gens qui ils se forcent pas en fait à être quelqu'un d'autre devant la caméra, ils sont eux et puis c'est tout, tu vois. Moi je trouve que ça fait plaisir. Oui, c'est vrai. Mais tu as cité un grand hein, Croco. À tout jamais dans mon cœur. Ah ouais, en vrai, Croco. Non, Croco, c'est le gigamon. Je trouve ça bien qu'il soit mis à faire du multigaming. C'est pas. Ouais. Enfin, je viens moins souvent. Disons qu'il y a certains jeux qui m'intéressent pas du tout. Oui. Je viens quand même. Mais. Oui, c'est clair. Mais des fois, j'avais regardé toutes ses VOD sur Undertale. Il avait fait Undertale. Ouais, j'ai vu ça, qu'il a fait Undertale. J'ai fait waouh. Et surtout, il a terminé Sans. J'ai fait waouh. Là, c'est un giga BG. Ah ouais, non, Crocodile LOL sur Twitch, si vous me demandez qui c'est. Crocodile _ LOL, ouais. Crocodile avec un Y. C'est un... Alors, jungler, ancien grandmaster. Du coup, là, je crois qu'il est diamant master sur ses comptes. Enfin, il est encore master. En fait, il a passé deux de ses comptes en master. Donc, un très très bon jungler. Que j'apprécie énormément. Et que j'apprécie énormément d'ailleurs. Enfin, j'apprécie énormément son contenu LOL. Il en fait beaucoup moins maintenant, mais. Ouais. J'apprécie les crocochemars en cuisine. Crocochemars en cuisine. Non, c'est clair. Il s'est vachement diversifié. Mais ce qui est bien, c'est que je trouve qu'il a pas perdu. Ce qui fait que je l'aime bien, c'est son essence de vivre. Un peu. C'est ça. Et. J'aime bien. Ce que je trouve bien aussi, c'est qu'il a réussi à. Bah tu sais, c'est difficile en fait quand t'as un public qui est majoritaire sur un jeu, par exemple League of Legends, mais ça peut être, je sais pas moi, ça peut être WoW, ça peut être Valorant, ça peut être Elden Ring, enfin on s'en fout, tu vois. C'est quand même difficile d'avoir cette réflexion de dire je vais arrêter, je vais faire d'autres trucs, et parce que en fait j'en ai marre et ça me brûle le cerveau, tu vois. C'est un pari risqué, lui il a fait le pari, il a réussi, GG à lui. Exactement, gros GG à lui, gros respect. Puis j'étais un petit peu là au début, et pour le coup, même son interface, qu'on appelle ça, ses scènes, Twitch. Ouais, ça a bien changé. Hein. Ça a bien changé. Moi, j'ai découvert aussi. En 2019, Croco. J'ai découvert avec une de ses vidéos YouTube, et après, je suis allé squatter ses lives. Parce que j'étais au chômage, donc j'avais un peu que ça à foutre. Exactement. Petite agression botlane à la MF qui a pris pas mal de dégâts, elle va claquer une potion. Ouais, on prend de dégâts. J'ai dû le découvrir en 2018, il me semble, vers les débuts où j'étais en jungle justement. Je crois pas, c'était la fois où j'avais. Première fois où j'avais acheté Kayn. J'étais trop content de le jouer. Que Kayn, au début je comprenais pas. Non, en plus je comprenais pas. Et en fait, j'ai regardé une vidéo, j'ai fait. Il y a un gank top lane qui se joue actuellement, le flash out de la part du chien. On va sauver sa vie. Et du coup, tu nous disais, tu ne comprenais pas, mais. Mais pour le coup, j'ai regardé ces vidéos et j'ai tout compris. Et j'ai fait waouh, alors le champion, je le veux. moi en fait, je comprenais pas, c'est-à-dire que j'étais là en mode attends, mais il y a un nouveau champion. Et en fait, c'est mon frère qui jouait beaucoup Kayn à l'époque qui m'a expliqué le bail. Et j'étais là en mode ah, moi je comprends mieux maintenant. Oula, flash out de la Renata, le flash in immédiatement du Viego, le stun qui touche sur la MF qui sera obligé de flash in. Viego qui prend un coup de tour, on continue le fight côté Shinigami. McFlurry. Non, c'était McFlurry. Shinigami ou McFlurry? Shinigami. Shinigami.
Oui, SNG, c'est Shinigami, oui, pardon. SNG, oui. Côté Shinigami, mais fallait faire attention à pas trop s'avancer, ouais, parce que c'était quand même du 2v3. Oh, le Vigo, 10 000 LQ, on le voit sur la minimap. Il veut regank, il gank par la lane, tandis que top lane, ça se bagarre. On voit le sac à main qui tente de ne pas devenir un sac à main. Sac à main, quel irrespect, mon dieu. Quel irrespect, pardon. Oh là là, non mais en même temps, voilà. Sac à dos. Dora, elle va arriver sur la faille, elle va faire un gros bon carré mecton, elle va repartir avec. Ça va être son nouveau sac. Oh, par contre, gros dégâts qui sont donnés sur ce Renekton, mais il a très très bien répliqué. À top lane, ça se bagarre. Hein. Top lane, c'est la bagarre de toute manière. Tandis que le Viego retente un grab, mais le Q de la Renata l'arrêtera. Joli stun. Et ça s'arrêtera là, à mon avis. Le Viego doit partir. Là, il commence à perdre un petit peu de temps. Ouais, je pense que là, on va perdre un petit peu de temps. Mais on a quand même un Drake Dub, justement. On a claqué une TP du côté de Renekton. On va pas faire la même technique que à la dernière game, justement, pour être en surnombre. Là, par contre, attention à la Séraphine. Hein. La Séraphine qui est obligée de flash out, elle va se faire stun. Elle heal, mais est-ce que ça suffira? C'est du 3v3. On voit la MF qui commence à back. Ok, ouais, oh, on met pas mal de dégâts. Hein. C'est stylé les dégâts quand même. Ok, ils font pas le Drake. Ok, je m'attendais à ce qu'ils fassent un Drake, sachant que la botlane back. Bon, ok. On tempo alors, on décide de tempo le Drake. C'est un choix de la part des Shinigami. Mais en tout cas, en botlane, cette Kai'Sa qui a déjà un avantage en termes de gold. Par rapport à la top lane qui, elle, est dominée par, en termes de creep en tout cas, en termes de CS, dominée par les Shinigami. Effectivement, mid, on est pixel, le même nombre de CS. Ouais. Exactement, comme à la dernière game. C'est ça, comme à la dernière game, les mid-laners sont très raccord. Ils sont sur la même longueur d'onde, ils ont dit, écoute frérot, on atteint le level 16 et puis après on se tape. Et après, on se tape dessus, on se regarde dans le blanc des yeux et puis après, bah... Attention, hein, on voit la vaille qui a été spotted par cette ward en bot lane. Donc, le gank ne passera pas et voilà, elle est ping. Ouais. Hein, voilà. On cherche le Yone, hein. Regarde le Yone où il était, mais c'est indécent. Oui, c'est indécent. Non, mais on cherche quand même à le faire ce Drake. On veut quand même prendre ce Drake. On trouve pas trop la possibilité. On n'a pas la prio bot. On arrive à se faire push, hein, mais. Pas trop la prio. Parlant de la botlane, le gang de Vaille, très joli Q de la part de la Renata, ouais, et suivi de la Vaille, elle récupérera le kill. First blood qui est récupéré de manière très très propre, hein, sur cette Séraphine. Alors que on savait que cette Vaille était là, mais le Q de la Renata, très très bien joué, ça a réussi à choper la Séraphine, elle l'amène à sa Vaille. Et la Vaille, elle se sert en fait, c'est-à-dire que on lui tend une Séraphine sur un plateau d'argent, elle la graille et elle prend une... Exactement, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que c'est très bien joué avoir tenté ce move avec Renata, ça fait déjà beaucoup de dégâts, puis ça a permis de ralentir la progression des McFleury, en tout cas dans leur avancée dans la victoire de ce BO en tout cas. Alors je vais faire une blague, Sunbow, tu as le droit de me sanctionner pour cette blague. Okay, on ralentit la progression de McDonald's pour promouvoir le diap. Voilà, c'était ma blague. Oh non Sunbow, oh non. Et la chaîne est désormais bannie. Oh non. En vrai, t'es que je suis en train de regarder le retour du stream en stress au cas où la GV se prendra sûrement pas de l'enculé. Non mais Sun, on rigole, hein, t'inquiète, hein, c'est... ouais. Non mais Sun, t'inquiète, on rigole, frérot, ça va bien se passer. Attention, ouais, par contre, là, il y a un gros bait qui se joue, là, Séraphine est en danger. Elle se prend un Q, l'ulti de la MF, elle ne peut pas s'échapper. Le kill sera pris sur la MF, cette pauvre Séraphine qui malheureusement se fait hard focus. Ouais, pour le coup, elle est un petit peu grise au niveau de la vision. Elle n'avait pas du tout la vision. Elle savait que la vaille n'était pas encore repartie. C'était peut-être un poil greedy, mais écoute, ça l'a fait.
Bah à mon avis, elle se doutait pas que cette vaille était repartie. Hein. Enfin, qu'elle était pas repartie justement. À mon avis, dans son esprit, la vaille était repartie depuis un petit moment. Ouais, peut-être dans son esprit, effectivement. Mais sur la map, on avait bien vu du coup qu'elle était retournée au niveau des bushs et qu'elle avait pas bougé. Donc, mais après, effectivement, dans l'esprit, ça change beaucoup de choses déjà. Et on n'a pas encore, en tout cas, à partir de la 10e minute, encore les premiers items. Donc c'est que pour le moment, la game est assez équitable, on va dire. Pas trop d'écart de gold, hein. on a un écart de gold qui est plus avantageux cette fois-ci pour les Shinigami par rapport au... Bah, attention par contre à la mid lane, l'ulti du Viego, flash out de la part de la Syndra, flash out du Viego, du Yone pardon, oula j'ai dit Viego c'est n'importe quoi, c'était Yone. Mais la Vi qui réussit à avoir un très beau timing d'ulti, elle prendra le kill et elle engage immédiatement le Viego, cette fois ce n'est pas Yone. Elle lui met quelques petits dégâts et elle repart. Ah faut bien protéger son mid laner. Oula par contre Syndra c'est... Attention, et bien oui, le flash in immédiatement du Viego et un ulti sur cette Syndra, peut-être un double kill. Attention, on prend des coups de tour de la part du Viego, mais il prendra double kill grâce à l'ulti du Shen. Très bien joué. Très bien joué. Franchement, alors là pour le coup, un pixel ulti Shen pour donner un bon shield pour tanker les tourelles, pour tanker aussi les gros dégâts de la vaille. Bon franchement gros GG. Franchement, la Syndra qui doit s'en vouloir quand même, hein, parce que... Ouais. Alors, c'est facile de dire ça, parce que nous, on a la map, on a les positions de tout le monde et tout, mais ouais, qu'elle soit aussi low et qu'elle s'avance comme ça, alors que le Viego, il est level 7 et elle a aucune info sur son ulti. Hein. Donc, il aurait pu ne pas l'avoir, mais bah malheureusement, il l'avait, et du coup, c'était sûr qu'il allait faire un ulti in et qu'il allait la tuer. Donc, à mon avis, cette Syndra, là, actuellement, elle doit s'en vouloir, mais bon, faut pas trop s'en vouloir, faut réussir à garder le rythme et à revenir dans la game. Exactement, hein, mais on constate quand même une petite remontée quand même des McFlurry, attention encore, hein, Yone, champion très très fort aussi durant cette méta, attention, affaire à surveiller. Faut que j'arrête, j'ai envie de faire plein de blagues horribles. Heureusement que Sunbo n'écoute pas, Sunbo n'est pas là. Sunbo doit être en train de regarder les wards. Try nous, Sunbo. Bon, alors là, Sunbo va prendre un DM très très vite s'il fait ça. Sur la ligne de la Syndra au mid, cette pauvre Syndra qui ne peut pas farm, regarde, elle est obligée de retourner sous sa T1. Elle est obligée de retourner sur sa T1 et de respecter le Viego. Le Yone, pardon. J'arrête pas de dire Viego. Ouais, et ils se ressemblent pas du tout. Non pas du tout, il y en a un qui est tout rouge, qui a un gros masque et deux grosses épées, enfin et deux épées. Il y en a un, il a juste une seule épée. Par contre attention, en parlant de ce Viego, il est botlane, très joli ulti de la Séraphine, l'exhaust de la MF qui sera claqué, la Renata qui vient, très joli Zen, mais ça ne suffira pas à sauver son ADC. La Séraphine récupérera le kill, attention, un très gros dégât sur cette Renata, elle flash out, elle met sa stopwatch, joli ulti de la Vi sous tourelle pour le Viego, est-ce que le Viego tombera? Le Viego tombera, mais la Kai'Sa qui récupère le kill sur cette Vi. C'est un 2 pour 1. C'est un 2 pour 1 très très bien joué de la part des de la part des McFlurry. Très très bien joué, très très bien exécuté. Cette Séraphine qui a réussi à faire un très très beau shine de CC. Elle a réussi à vraiment bloquer la MF et cette MF n'a rien pu faire sur cette bot lane. On n'a pas réussi effectivement à trouver l'opportunité pour essayer de se barrer très vite. Voilà, on a été pris, il y avait peut-être le E de Renata pour le revive qui a pu faire son effet. Malheureusement, personne n'était low pour permettre à cette MF de revive et peut-être carry ce fight. Et puis après, on a eu quand même une résistance, hein, de la part de la Vi pour essayer de carry le fight, quoi, mais... Oula, par contre top lane ça se bagarre, attention, le kill qui va sûrement être pris par le Renekton, on ne s'en sortira pas côté du Shen, mais le Viego qui est là, est-ce qu'il peut prendre le kill? Il prendra le kill grâce à son ulti, et très cher ami, il est temps pour le jeu de l'âme, il est temps maintenant, nous avions un Drake des vents, un Drake infernal qui est en train d'être fait, il faut vite faire le jeu de l'âme. Qu'est-ce que tu calls entre Hextech, Océan et Mountain? Franchement, au vu de la cover de vision, au vu à chaque fois de la cover de vision, etc., etc., j'aimerais bien un petit Hextech. Franchement, ça me ferait très plaisir. C'est un océan. J'ai envie de me tuer. Moi, j'ai eu envie de call le Mountain pour le Mountain deux fois de suite, mais c'est un océan. Bon. Alors, un océan, ça profiterait très fortement aux chaînes, ça c'est sûr. Au Viego, au Yone, à la Kai'Sa. Au Yone. Ça va, profiter,
Ça, non mais ça profite énormément à la team, c'est clair. À la team des McFlurry, ouais. Mais ça clair. Profite aussi à la team des Shinigami parce que ça profiterait à MF, à Vi et à Renekton, potentiellement à Renata en fonction de son build. Exactement, mais ouais, on est plus... Et tu vois, regarde, c'est exactement ce que je te disais, plus la game avance, plus les wars, tu vois, au début c'était vraiment orienté dans la jungle... de la vaille, et tu vois pour le coup là c'est inverse, c'est à dire que le Shinigami a pris l'exemple entre guillemets sur McFlurry, et ils sont juste en train de refaire le même pattern que McFlurry à la dernière game, et tu vois plus la game avance, plus les wards avancent elle aussi, donc je pense que le temps de pause a fait du bien. C'est voilà. Vrai, on a une belle progression de la vision là, faut pas attention, hein. Le gank à nouveau top lane, le taunt qui sera raté, par contre le stun du Viego ne rate pas, le crocodile fait tout ce qu'il peut pour s'en sortir et malheureusement il s'en sortira pas. Mais derrière on a la Syndra et la Vi qui vont être prises en tenaille parce qu'on a le Yone également qui a des cales, la Vi immédiatement qui engage, la pauvre Syndra qui se prendra l'ulti de Yone et qui ne réussira pas à s'en sortir, la Vi qui s'en sort grâce à son Q. Aïe 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 aïe, on donne 2 kills là-dessus, ouais, c'est très très dommage. Le Viego qui est en 4-1, Viego qui est en 4-1, qui a sa BO Terka, il faut faire très très attention à ce Viego. C'est un très très bon finisher et une fois qu'il réussit à enchaîner les ultis, à enchaîner le vol des champions, ça peut déraper très très vite dans un fight. C'est clair, et puis là, c'est Team McFlurry qui, avec Ayone et Mid en 1-1, une Kai'Sa en 1-0-1, une Seraphine en 1-2-1, bon... voilà, top lane on est en 0-1-4, mais bon, Shen a un peu de mal à carrer entre guillemets, donc c'est normal, il est plus ce côté un petit peu support top. Donc on a pour le coup, voilà, c'est un peu plus compliqué. La game commence à prendre un tournant un petit peu plus orienté McFlurry plutôt que Shinigami. Avec un voilà, un Yone qui commence à faire le travail, on le sent. Hein. Et puis toujours ce Viego omniprésent sur la map, bon. Malgré tout la proactivité de la vaille, on reste quand même sur quelque chose d'assez compliqué pour le moment. En tout cas, peut-être encore un retournement de situation, que de retournement de situation dans les games. On va pouvoir voir ça, je pense, incessamment sous peu. C'est vrai que la vaille, elle est très très présente. Hein. Elle a quand même réussi à prendre les deux premiers drakes pour son équipe. Là, elle était disponible top en counter gank. Bon, malheureusement, un peu tard. Mais elle est venue, c'est vrai que cette vaille est très très active. Hein. Ouais, c'est clair, hein. c'est clair. Elle a quand même 3 kills, elle a quand même 4 de partie, 4 kills participation sur 5 kills faits par son équipe. Hein. Elle est très très présente. C'est sûr, mais... Bon après, le Viego est là sur 7 kills sur 7, donc bon, Peter Jungle win. Hein, hein quoi? Non, j'ai rien dit. Oh là là, Madame qui taunte, dis donc. Et oui, hein, il faut bien. Je pense que ce soir, Sunbo, il va me regarder dans les yeux, il va faire Mel. Alors, tes blagues, c'est plus possible. Alors, c'est ciao. La blague sur McDo, c'était trop Mel. C'est plus possible, on n'en peut plus de toi. La blague sur McDo. Ça ne peut plus durer entre nous, Mel. Je vais être en mode pardon. Nani. Non, mais... Ouh là là. Ouh là, attention, le Viego hein, qui est allé sur la vaille et il l'a... Des dégâts. Solo. Il a solo la vaille, il a fait énormément de dégâts. Et c'est l'itération. 5-1-3 pour le Viego, hein, il est extrêmement présent. Oula, il go in immédiatement grâce à son ulti de Renata et de Seraphine qui seront tous les deux loupés. On a quand même eu un flash out de la VF. Hein. Ouais, oblitération là, hein, de la vaille sur ce fight, commence à avoir beaucoup d'attaques. Le Viego qui a des runes conquérants en plus, hein, absolument pas des runes l'état de tempo, donc voilà quoi. Biotarka. Et après faire Biotarka. Attention, le dive de la MF, le Z peut-être, mais non, ça ne suffira pas. Le Viego qui ne prend pas le dernier coup de toile qui le tuerait. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, ce Viego qui accélère la game. Ouais. Hein, on l'avait vu game précédente, ce Viego. Il est pixel. Peut-être aurait-il fallu le ban. Peut-être. Ouais, je pense aussi que ça aurait été une bonne idée. Une bonne idée, effectivement, de le ban, comme tu disais. Mais là c'est une oblitération de la part du Viego. Le faire ganteler givrant en plus c'est assez je vais dire atypique parce que j'ai pas vraiment l'habitude de voir ça. En ce moment c'est la méta des justement des espèces de carry qui go tank. En fait t'as Diana en ce moment qui joue beaucoup Sunfire.
Ardente. Non. Ouais, Sunfire Cape, oui, comme ça. Sunfire, ouais. Ouais, Sunfire. Ouais. Bah, parce qu'en fait, ça t'apporte de la tankiness en plus et t'as des dégâts, tu comprends pourquoi. Ah, attention à la Syndra qui se fait dive, elle se fera tuer par le Sub-Ego. Aïe, 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 le bilan est de plus en plus lourd pour les Shinigami. C'est compliqué, hein. Ouais, c'est à nouveau compliqué comme la game précédente. Là, il faut réussir. Là, faut réussir à comeback, sinon ce sera la fin de ce BO. Ah, faut absolument trouver des solutions, hein. Peut-être ce Renekton, peut-être cette vibe, peut-être la MF. C'est vrai que MF, les runes ont changé, le build a changé, c'est plus MF létalité, c'est MF attack speed. Ouais, c'est retour d'MF attack speed avec. Alors, j'ai vu des MF qui prenaient Collector, c'est Kraken, Collector, BT. Voilà ce genre de choses, donc c'est plus la même MF qu'avant, mais ça fait quand même des très lourds dégâts. Donc, on a vu qu'ils ont bien réussi à turtle la game précédente. Faut qu'ils fassent exactement la même chose, mais qu'ils réussissent à donner plus de ressources à la MF. Et je pense que c'est jouable. Ah, attention, la mort top. Voilà, est-ce qu'on peut le faire? Voilà, le crocodile, le crocodile! Le crocodile qui réussit! Bravo à lui! Oh là là, le crocodile qui fait un magnifique kill. Grâce à sa BOTRK en partie. En partie, ouais, effectivement. Et BOTRK diff, clairement. Mais ouais, c'était un peu tendu. C'est l'ulti qui a carry, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, très très bel ulti, il a attendu vraiment le dernier moment pour le mettre, il a pas gâché. Sure. Il a pas gâché son ulti, c'est très très bien joué. Ouais, on a rien vu, Yone, on a rien vu. Oui, bah écoute, il tente des choses. Hein. Il a raison. Exactement, c'est les lois de League of Legends. Qui attention, rien par contre, le Viego, même s'il est. Très vite, flash in de la Renata pour tenter de le grab et flash out du Viego pour essayer. Attention, hein, parce que Viego sans flash, c'est quand même assez compliqué. Il n'y a pas forcément 4000 escape. Voilà, on peut être assez close au niveau des fights. Un fight pour ramasser un kill, pour ramasser un ulti, bon, c'est quand même assez important, hein, un flash sur Viego. Donc, je sais pas si c'est vraiment worth, mais on le verra par la suite. On le verra après. Ouais, je sais pas, il a quand même 500 gold sur lui. Donner 500 gold à une MF, ça permettrait de la faire revenir dans la game. Donc, peut-être que le flash était worse. En vrai, après, moi, j'ai vu beaucoup de Viego s'escape à l'ulti aussi. Donc, il a toujours cette possibilité. À voir. Ouais, c'est sûr. Après, s'escape à l'ulti, c'est bien. Mais pour le coup, on gâche un petit peu pour un teamfight. Sachant que l'ulti, c'est quand même sa principale source pour surprendre un petit peu. Les ennemis sont toujours là en mode est-ce qu'il a son ulti, est-ce qu'il a pas son ulti, comment il va le jouer. Donc, ouais. Attention, hein, par contre, top lane, ça se trade à nouveau. Mais on a la vaille hein, qui est présente qui pourrait facilement venir. Oh, bah non, la vaille elle va mid. D'accord, c'est bon, j'ai rien dit, madame, désolé, excusez-moi de vous avoir dérangé. C'est vachement agressif hein, pour un Shen qui est en, qui est en 0-2. Et finalement. Patate. Ouais, mais finalement, tu vois, regarde, les trades sont quand même assez gagnés par le Shen. Le Shen, il met de ses patates, mon gars. Oh, pur, il veut un nouveau sac à main, le Shen, là. Il en a marre, le sien, il est percé. Je savais pas qu'on pouvait dézoom autant. Et ben, on peut dézoom encore plus, regarde. Oula, attention, oui, par contre, un fight immédiatement. L'ulti de la Seraphine qui touchera la MF qui tombera. Est-ce qu'on fera tomber la Renata? Eh bien, oui. Ah, attends, je vais dézoomer. Regarde, tu peux dézoomer? Oui. Voilà, je peux. Oui. On peut voir toute la map. Hein. C'est-à-dire que map. Je peux dézoomer encore si je veux. Hein. Et c'est un Ashor qui est lancé immédiatement. Attendez, je vais faire un bon niveau de dézoom. Voilà, ici on est bien. C'est un Ashor du coup qui est fait par les McFlurry. Oui, exactement. On va faire un Ashor. On peut pas contester du côté de Shinigami, évidemment. Hein. Voilà, je vais faire. On n'a pas la vision et puis on n'a pas non plus les dégâts en teamfight, je pense, pour venir assassiner toute la team, je pense. Surtout qu'en plus, on va repartir d'un autre côté sur un Drake. Ouais. On a 42 000 gold à 35 000. Il y a 7 000 gold d'avance pour cette team McFlurry. Bon. On va pouvoir voir l'ampleur des dégâts, on va dire, peut-être sur un teamfight Drake. Effectivement. Et d'ailleurs, Trionome, c'est le spectateur mode qui permet de dézoom autant dans le jeu normal quand t'es en partie. Tu peux pas dézoomer autant. Fort heureusement. Ouais, bah ce serait trop, ce serait trop petit. Mais attention, hein, le flash out de la MF, elle a claqué ses deux summoners.
sûr, hein, on n'a pas d'ulti Renata, on n'a pas d'ulti Séraphie. Ça peut être un peu compliqué de fight là. Même si évidemment c'est c'est plus facile pour les McFlurry vu qu'ils ont quand même plus de ressources, hein, on le voit à la différence de gold. Hein. Tu le disais, 8k gold, c'est quand même pas mal. Et du coup, ils réussiront à récupérer un deuxième Drake. Ouais, full Drake des océans sur la team de McFlurry. Ça peut faire très très mal. Hein. Ouais, le Nashor hein, qui fait quand même un petit peu la diff. Hein. On l'a vu en top lane là pour le coup. Là, Ah, je pense, plus que, même... je pense que le Renekton est condamné. Le sac à main. Shen qui veut un nouveau sac à main. Oh là, quel dommage, le Q qui n'a pas. Enfin, je sais pas si c'est le Q, mais ça n'a pas touché. Ça n'a pas permis la régène du René. Quel dommage. Oui, c'est vrai que c'est dommage pour le coup, mais bon. Le Renekton était très low. Le Shen est passé du coup sur un deuxième item avec côté épineuse. On voit quand même la diff avec l'hémorragie. Oh, les dégâts, la queue. Oh là, attention. Très joli fight dans la jungle, la MF qui, la Vi pardon, qui sera obligée de flash out le kill qui est récupéré sur la Renata. Peut-être un deuxième kill et ce sera l'auto-boosté du Kraken de la Kai'Sa qui lui donnera ce kill sur la Vi. Crac des gars, c'est... Le bilan s'alourdit malheureusement pour les Shinigami. Il hein. Y a presque 10k gold. Presque 10k gold de retard et la pauvre Syndra s'est fait flash in ulti par Yone et par Viego. Aïe. Ouais, bah cette game a été pliée. Assez rapidement, je pense. Après, il y a toujours des remontadas qui sont possibles, attention. Mais Ouais, c'est toujours possible, mais là, c'est très complexe. Hein. Là, vraiment, attention, peut-être joli ulti de la part de la MF. Ça ne mettra pas les ennemis assez low. La vaille qui se fera exécuter. L'ulti touchera. La MF qui tombe également. Et là, on fight. Hein. Là, on sait qu'on peut finir la game. Malheureusement, la Renata a fait un très joli ulti, mais ça a touché que la Séraphine et le Shen, donc c'est pas ceux qui font le plus de dégâts. Du coup, bah ça n'a pas très bien marché. Et puis après, bah une fois qu'on est libéré de l'ulti de Renata, on déroule sur les autres mates. Attention, l'ulti Séraphine qui va toucher les trois personnes vivantes restantes, et c'est l'hécatombe. Tout le monde est mort. La Renata s'en sort à très peu d'HP et va se réfugier dans sa fontaine. Et du coup, c'est une fin de game. Fin de match. GG, écoute. 2-0 pour le McFlurry, GG à eux. Bravo à GG, eux. GG, écoute, hein, c'est... C'est... On a eu un retournement de situation pour les McFlurry. Voilà, c'est un 2-0. Malheureusement, Shinigami n'a pas réussi à garder l'avantage qu'ils avaient, mais... McFlurry a bien remonté avec tous les avec tous les drakes qu'ils ont pris, avec du coup le tout ce qui est Herald, et puis le Viggo qui a été complètement proactif et qui a réussi à dominer la game clairement. C'est vrai qu'il y a eu 21 kills, le Viggo était en 7-1-9. Il a été très présent sur la map, hein. C'est celui qui a... Bah, je crois que c'est celui qui a le plus de kills participation, parce que 2-2-11, ouais, ça fait 13 sur 21, là, avec Viego, on est quand même à 16 kills sur 21, donc ouais, Viego qui a énormément de kills participation, qui a été très proactif sur la map. Après, la Vi n'est pas restée en reste, hein. Au début de game, elle avait quand même... elle avait 4 kills participation sur 5 kills de sa team, donc c'était quand même vraiment très bien. Malheureusement, c'était pas leur soirée. Hein. C'était pas leur soirée au Shinigami. Ouais. En vrai, force à eux pour avoir réussi à tanker ces deux games. Vous allez me dire, ouais, mais tu le dis à chaque fois. Mais c'est la vérité. Hein. C'est jamais facile de tanker deux défaites de suite comme ça. Faut vraiment pas se laisser abattre. Voilà, comme on a dit, c'est un marathon. C'est pas parce qu'il y a un mauvais départ ou qu'on se tord la cheville sur la route que c'est impossible d'arriver à la ligne d'arrivée. Donc voilà, GG aux deux équipes ce soir, GG à l'équipe qui a gagné, et force à l'équipe qui a perdu, hein. Bravo à eux pour avoir tanké tout ça, et voilà, je pense qu'on peut se laisser là-dessus, hein. À moins que, je sais pas si les joueurs seraient dispo pour une petite interview, je sais que ça a été fait l'autre jour, Ouais c'est ça, moi j'ai...
Moi, j'ai pas les accès. Je sais pas si les gens, ça vous intéresserait. Je sais pas s'il y a des joueurs, des équipes qui sont présents sur le live. Mais si jamais ça Ouais, vous si ça intéresse, commence. voilà, joueur, coach, OMG interview, bah ouais, on peut, hein, si jamais il y a un joueur qui veut. Où est-ce que vous Exactement, si les pourriez me joueurs mettre? sont up pour faire une petite interview, c'est avec grand plaisir. Bah, il y a un vocal Pourquoi pas? Watt Taverne là où peut y avoir 50 personnes si jamais il y en a un qui veut venir. Il n'y a pas de souci. Que ce soit Exactement. équipe gagnante ou perdante, hein, d'ailleurs. Oui, n'importe lequel, pour le coup. N'importe laquelle équipe gagnante ou perdante, c'est comme vous voulez. Connectez-vous. Le premier qui se connecte dans le channel Watt Taverne là, dans le truc communautaire. Bon, bah, Joki, hop, c'est bon, la place est prise, c'est Joki. Joki, bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toi. Parce que c'est très bizarre. Hop, c'est tout bon. C'est tout bon. Oh là là. Du Nickel. coup, décline ton identité, très cher ami. Qui étais-tu? Dans quelle Oh. équipe étais-tu? As-tu gagné, perdu, ton rôle, tout ça. Voilà. On veut tout savoir. Joki, ASV. donc le mid de la team McFlurry. Ouais, c'est ça. Donc Tu es le Yone. le Yone. Yone. Le Le Yone. Yone. Dark Sasuke. Ça, ouais, tu es Dark Sasuke. C'est ça. Est-ce que tu es rentré au village de Konoha, très cher ami? Première question. Pour le coup, non, non, je suis resté. Non, je suis pas rentré. Non, non, parce que c'est tous des cancerlos, donc je vais pas m'amuser à rentrer dans ce village. Mais Oh. non, 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 pour le coup, non, non, on s'est bien. On a fait deux bonnes games. On est très content de nos games. On a eu deux trois soucis, on va dire, à propos de la team avant d'arriver là. Et là, on est bien content et très très fier des deux games qu'on a pu sortir ce soir. Ouais, c'est ce que justement on avait pu dire comment dire, sur le live. Gros GG aussi. Ce qui m'avait un petit peu surpris, c'est avec le move de début sur l'Herald pour faire un switch entre le bot lane et la top lane. C'est assez surprenant. Enfin, moi, personnellement, ça m'a surpris. J'étais content de voir ça. Voilà. Ça nous a tous un peu. Alors après, c'est un call qui a été lancé. Alors je précise, hein, c'est pas des calls qu'on a l'habitude de faire ou quoi Ouais. que ce soit. Mais justement, ça nous permet aussi, parce que ça reste une team assez récente, c'est nos premiers matchs de ce style-là. Donc c'est des calls qu'on essaie de mettre en place pour arriver à monter et arriver à progresser sur notre macro et chacun sur nos gameplays. Bien Et sûr. pour le coup, ça nous a bien réussi ce soir. Ouais, effectivement, avec Meledis, on était très surpris de ce petit switch. C'était cool à voir. Alors je précise Ouais. parce qu'il est en train de m'insulter en DM que c'est notre jungle qui me l'a qui nous a fait le call. D'accord, bah Je précise, et là, bravo je suis en train de me faire jungle, très belle insulter, donc je macro. préfère le dire. J'ai jungle, écoutez. Faut pas trop lui dire, il aime trop ça, mais faut pas trop lui dire. Voilà, ça part sur des coups de couteau, on aime bien ça. Ça trahit, ça trahit. Fais gaffe, il y a Ça trahit. l'enregistrement après, hein, et ça part sur YouTube. Hein. Dis pas trop de Ouais, dinguerie là. non, mais il n'y a pas de souci, j'assume totalement. Oh là J'assume là. totalement. Donc, merci en tout cas pour le cast. Nous, on va aller regarder ça. On va aller regarder le replay. Bien sûr, bien sûr, bien Mais sûr, il faut. donc, non. Merci pour le cast. Ça, c'est un grand plaisir. Pareil, aussi, c'est une première pour nous d'avoir une game cast. Ouais, Donc, bah écoute. voilà. Bien, écoute, plutôt cool. Et puis c'est pareil, c'est ce que petite dernière chose quand même ajoutée avec ce qu'on a dit avec Peledis, c'est au niveau de la vision. Ce qu'on disait, c'était marrant parce qu'au fur et à mesure de la game, que ça avançait justement, les wards étaient posés de plus en plus deep et ça faisait vraiment un mur qui avançait. Donc ça, pareil, aussi très bonne macro, très très bien joué. Enfin, encore une fois, GG à vous, quoi. Ah, merci. Alors après, ça c'est quelque chose on avait vu avec un coach sur lequel c'est quelque chose qu'on a Ouais. commencé à évoquer, c'est que plus on Ouais. avance, on gagne du territoire, on prend de vision sur ce territoire-là, Exactement. on va empêcher en phase d'avancer justement pour toujours pouvoir contrôler les objectifs et les lanes. Donc voilà. Mais comme je disais, il y a eu du remaniement, et là pour le coup de voir que remaniement avec les discussions qu'on a fait d'arriver là, on en est très fiers. Et ça fait C'est vraiment sûr. contraste avec les premières games qu'on a pu faire. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Hein. On a pu voir du coup le jungle ennemi sur la première game qui n'a clairement rien pu faire. Il pouvait pas prendre sa jungle parce que vous étiez dedans et il pouvait pas prendre les lanes parce que les laners en avaient besoin. Donc non, c'est bien joué. Voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais ajouter. Ouais, non, Donc c'était voilà. très très propre, hein. Nickel. Félicitations à vous. Bah merci.
Et puis on espère que les prochaines soient pareilles, en effet. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Bah écoute, on croise les doigts pour vous, hein, évidemment. Après, je pense qu'il y a aussi, du respect au niveau de vos adversaires qui ont tanké les deux games, hein, mentalement, c'est pas facile. Ouais, c'est ce qu'on a un peu subi ces derniers temps sur toutes les games qu'on a pu faire. Ah. Et bah, que ce soit entre les trains entre nous, sur les flex et sur les premiers BO qu'on a fait sur la Watts, où c'était très très dur. Après. C'est à tanker, mais il y a toujours des meilleures passes. Faut beaucoup de discussion et avancer là-dessus. Mais j'ai pas de doute qu'ils avancent de cette façon-là, en tout cas. Ouais, bah en tout cas, encore ouais. J'y avoue pour la victoire. Ouais. Merci de t'être rendu disponible pour l'interview. Ah, pas de souci. Je précise pour le Jinx Caitlyn. Oui, jamais. Jinx Caitlyn, la famoso là, parce que non, mais c'était une dinguerie. Hein. C'est-à-dire juste en fond, on était concentré sur notre draft et le Jinx Caitlyn, c'était pour couper surtout de la range. D'accord. C'était surtout ça. Et le Kai'Sa MF et le Kai'Sa into MF était largement volontaire. D'accord. Ouais, non, mais parce qu'en fait, c'est-à-dire que moi, je vois la vaille, et puis je fais, moi, je veux une Caitlyn avec cette vaille, et puis ensuite, je veux une Jinx contre elle, parce que ça fait du lore, tu vois. Et genre, direct, c'est ça, c'est qu'ils ont, beaucoup de contrôle. Ils ont de langage avec de langage qui est assez stack, entre guillemets, entre Renekton et Vaille, ça peut facilement tanker et engage très facilement. Donc, une Caitlyn ou une Jinx peut facilement jouer sur la range. Pour pouvoir taper là-dedans, c'est pour ça qu'on essaie de couper ça. Là où MF reste assez statique et obligé de s'avancer un petit peu. Pareil, on a pris la Kai'Sa parce que Kai'Sa, après, à catch, allait être plus simple s'il voulait la pique. Alors qu'une Caitlyn et une Jinx à catch, ça reste assez, assez compliqué d'arriver à rentrer dedans comme ça. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Voilà. Bah, c'est tout pour moi, du coup. Bah ouais, écoute, merci beaucoup de t'être rendu disponible. Hein. Tu peux repartir parmi tes pairs. Voilà, nous, et bah allez, nickel, en vous souhaitant bon, une excellente soirée. Bah merci, toi aussi, bon week-end, et puis au plaisir de peut-être te recast. J'y à tous. J'y merci, à tous, merci. Voilà. Bonne soirée. Bah écoutez, chat, sur cette très, très sympathique interview, très joviale, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui est pas dépressif en mode « Ouais, on a gagné, c'était cool, au revoir !» Non, très personne très très sympathique, comme toi, exactement. Très cher Alba, on va faire des petits « U » entre nous et MP. Mais du coup, ouais, je pense qu'on peut se laisser là pour ce soir. Ouais. Écoute, voilà, donc c'était un 2-0 très très propre, très bien joué. Comme on l'a dit, hein, on le répète encore, mais voilà, faut pas se laisser abattre côté Shinigami. Ça arrive, faut réussir à se ressaisir, vous en faites pas, c'est pas fini, vous allez pas mourir demain, il y aura des nouvelles games. Voilà. De toute façon, il y a encore des BO à faire, donc il n'y a pas de problème, il y a encore de quoi progresser. Et puis n'hésitez pas à regarder la rediff, c'est important. Ouais. Et au McFlurry, bah, GG à vous, comme GG on a dit vous, ouais. Pendant l'interview, en espérant que ça continuera sur cette lancée, que vous réussirez à prendre des games, et puis pourquoi pas monter de division, qui sait, passer en division 8B, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein. C'est tout ce qu'on souhaite aux équipes, hein. que la win. Donc voilà, on va vous laisser là-dessus, en vous souhaitant une bonne fin de soirée, bon week-end, hein, parce que c'est le week-end, hein. Allez hop, oui. gros fond piche demain là. grosse grâce Matsaras. Bah écoutez, bonne soirée à vous, on vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine sur la WOT TV. Ciao tout le monde. Exactement, bisous à tous.